laisser partir. Parce que tu sais que j'aurai toujours un œil sur toi. Tous ceux qui viendront, je les tuerai tous. Ça n'a pas l'air trop dur. J'ai fait des erreurs. Blessé des personnes que j'aime. Merde. You're breathtaking. Salut à tous, bienvenue dans Stream VF, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et ça avait fait un petit moment, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, spécial Cyberpunk avec un invité qui me fait vraiment très plaisir, qui a accepté l'invitation, Jean-Pierre Michael, la voix française ô combien connue de Brad Pitt, de Keanu Reeves. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais t'inviter là. On attendait la bonne occasion et Cyberpunk, c'était le bon moment. Quoi. On en a parlé souvent. Pour ah oui. On s'était dit, mais alors quand. Et ça y est. Ça y est, on y est. Salut Donald, ça me fait plaisir. Ben franchement, on va être aujourd'hui pour découvrir le jeu. T'as rien vu pour l'instant, c'est la découverte totale. Je n'ai vu que ce que tout le monde voit depuis 2 ans, c'est-à-dire des photos, le petit trailer qu'ils avaient lancé à l'époque et rien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, étant donné que Keanu Reeves n'arrive pas au tout début du jeu, c'est qu'on va découvrir pour la première partie de l'émission ensemble, avec Jean-Pierre, le jeu, les 40 premières minutes. Et ensuite, on ira sur la petite sauvegarde que j'ai faite, où on découvre Jean-Pierre. Je vous garantis une seule chose, c'est que sur le début, les 40 premières minutes, il ne va rien se passer de phénoménal. Donc le spoil, ça va, on est tranquille. C'est important, il faut le dire, hein, aujourd'hui, le spoil en 2020, c'est important. Et sur le moment qu'il ne faudra pas voir, et bien évidemment, on coupera, on restera là en plateau et on reprendra juste après et vous découvrirez le rôle de Keanu Reeves interprété par Jean-Pierre. Et puis comme ça, la boucle sera bouclée. On sera nickel chrome. Bon, merci, je vous vois sur le chat. Salut à tous, merci d'être nombreux. N'hésitez pas à partager et puis bienvenue à vous si vous voyez ça en replay sur YouTube. En tout cas, on va démarrer. On est dans les menus du jeu pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est justement, voilà, c'est de... En fait, il y a trois voies différentes. Il y a Nomade, Garçon des rues et Corpo, donc c'est un petit peu l'élite. Moi, j'ai choisi Nomade parce qu'au début, il part avec sa caisse. Donc, tu connais mon amour pour les voitures, Jean-Pierre. Absolument. J'étais quand même obligé de partir. Là, t'as du freestyle en voiture aussi, si tu fais ce que tu veux. Bon, tu dois pouvoir aller où tu veux, mais c'est sûr qu'on ne prend pas Cyberpunk pour GT. Donc, mais il y a pas mal de déplacements en voiture, c'est vrai. Bon, le jeu, il va démarrer juste de suite. Et moi, j'ai une première question pour toi, pour resituer un petit peu d'où tu viens. Tu es le fils de Pierre Michael, qui était acteur lui aussi. Ouais. Comment est-ce qu'il t'a refilé le virus ? C'est-à-dire que forcément, quand tu vis avec quelqu'un qui, tous les soirs, est sur les planches... sa vie à tourner des films ou tout ça, ben, au bout d'un moment, tu le suis quand tu grandis, quand tu as suffisamment l'âge de pouvoir l'accompagner. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé dans les théâtres de Paris, les soirs où il jouait, à le regarder des coulisses, à être dans le foyer avec les comédiens et tout ça. Puis le virus, ça frappe assez vite, hein, quand même. Ah, c'est sûr. En tout cas, ça t'a bien réussi. Hein. Bah écoute, c'est pas facile au départ parce qu'on se dit, mais tellement fort ce qu'ils arrivent à faire, comment est-ce que je vais pouvoir faire la même chose ? Ah, c'est un tout petit peu fort le retour à la maison, les poteaux, voilà, je peux en enlever un tout petit peu. Est-ce que je vais réussir à faire pareil ? Ouais. C'est la pression ça ? Ouais. C'est vrai ? Bah oui, parce que quand t'as quelqu'un qui a déjà une carrière, qui travaille, qui est ton père, tu peux pas faire moins bien, quoi. Sinon c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Essayer de mieux possible, je me suis donné un petit laps de temps pour essayer d'y arriver. Je pense que ça a très bien fonctionné. Belle carrière. On va revenir un peu sur tout ça, sur toutes tes différentes facettes, parce que tu touches un petit peu à tout. Ouais. Je pense que, mais de la même manière que tu adores la technologie, souvent sur le plateau, on se discutait, alors du coup, t'as vu ce qui se passe et tout. On aime bien ce genre de conneries tous les deux. Dans Cyberpunk 2077, c'est le futur un petit peu compliqué, qui se passe pas forcément super bien. La technologie a pris le pas, il y a des bras bioniques, un petit peu comme on a vu dans les dessins animés des années 80. Et alors du coup, il y a un truc qu'on va parler tout de suite, c'est que c'est donc un RPG où tes choix peuvent influer sur l'histoire. C'est-à-dire que si tu fais des trucs, par exemple, je sais pas si on arrivera jusque-là, mais ils vont te donner une carte où tu dois aller à un rendez-vous pour payer un robot. Et si t'arrives à décrypter le robot comme il faut, eh ben, la thune, eh ben, du coup, ça se passe bien en rendez-vous. Tu peux faire des trucs comme ça. Selon ce que tu fais, l'histoire influe. Il y a plein de trucs comme ça. Même le choix du personnage de départ. Ah oui.
Ah, ça, tu me l'apprends. Tu as le choix entre la femme oui. et l'homme. Ah oui. Et donc, une femme et un homme ne fonctionnent pas de la même façon. Et ne vont pas. Mais bien sûr que si. Et ne vont pas avoir les mêmes relations avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Je connais. Eh oui. Ils sont allés jusque-là. Donc, je ne t'en dirai pas plus. Mais je sais que si tu as les deux personnages, tu peux faire deux jeux différents. Ah bah écoute, ça, tu vois, c'est beau. C'est lui qui vient en invité, c'est lui qui m'apprend un truc sur le jeu, c'est beau. J'étais curieux pendant l'enregistrement, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Mais justement, quelle question, et comment est-ce qu'on te briefe sur un jeu pareil? Parce qu'ils ont commencé le développement en 2012-2013, il y a 8 ans de dev. T'es briefé pendant une heure parce qu'on t'explique tous les rouages, comment ça se passe? Alors, on a commencé ça il y a un an, je crois, à peu près. Et au départ, comme vous, au départ, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'on avait juste une photo de chaque personnage. Moi, j'avais vu Keanu Reeves au Comic-Con, là, où ouais. il était venu pour faire une apparition. Et c'était tout. C'est la seule chose qu'on avait. Au niveau graphique, c'était la seule chose. Et ensuite, donc, on a notre directeur artistique, Stéphane Bollert, qui nous a briefé. Gros travail, d'ailleurs. Énorme. Parce que ce jeu est une somme de personnages, d'histoires, de petites quêtes, de sous-quêtes, de... Je n'irai pas plus loin. Et incroyable. Donc, il essayait de nous briefer sans arrêt sur le contexte. Mais lui-même l'apprenait au fur et à mesure. C'est incroyable. Avec des clauses de confidentialité, des machins, des tout. Donc, personne ne sait, au fond, l'ensemble du truc. Et donc, on avait un correspondant direct chez CD Projekt qui, lui, connaît tout et avec qui on pouvait être en relation pour dire c'est quoi exactement là, à ce moment-là. Il parle à qui, il fait quoi, etc. Et lui pouvait nous remettre un petit peu dans l'histoire cool. et dans ce qui se passe. C'est parce que simple. Sinon, c'est vrai, on est un peu largué, on ne voit rien, quoi. Ah bah, c'est pas évident, surtout dans des trucs comme ça où forcément, tu n'as pas les cinématiques. D'ailleurs, question importante, vu que tout est dans le moteur in-game, comme on dit, il n'y a pas forcément de cinématique. Vu que là, tu vois, je suis censé être dans une... On ne va pas dire une cinématique, mais après, je peux bouger la caméra. Donc, comment vous bossez dans ces trucs-là? Est-ce que ce n'est pas dans le jeu? Ce n'est pas de la cinématique? Comment ça s'est non. passé? On a juste des didascalies, c'est-à-dire vraiment des tout petits trucs. Bah, par exemple... Juste ça, aucune image? Non, rien. Mais rien. Il est en voiture, il appuie sur tel bouton à ce moment-là et voilà, c'est tout. Ah, il n'y a rien, ça c'est chaud. Parce que c'est vrai que maintenant, vu qu'on a beaucoup de cinématiques, ça aide. Mais là, sur le truc, vu qu'il n'y en a pas, tout est dans le jeu, bah, ce n'est pas forcément évident. Non. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, on a écouté pour l'instant notre ami Elia Changel, qui est la voix de V au masculin. Et je l'ai appris que quand j'ai commencé le jeu, qu'il y avait un V féminin, mais je ne savais pas. Donc, je ne sais pas qui l'a... C'est Julie Drey. Ah, bah voilà. Julie Drey qui a enregistré le V féminin. Et les deux sont aussi importants, puisque complètement. Tu peux jouer les deux personnages. Et encore une fois, je te dis, tu vas avoir deux trucs différents, du coup. Ça, c'est un truc de deux abords différents. Ça ronronne bien. Je vous en ai pas parlé au début, mais aujourd'hui, on n'est pas venu les mains vides. On a, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, un poster. Alors pour la petite histoire, j'ai fini le tweet, il est parti, mais il est vraiment une seconde avant le début. Donc voilà, l'intro était un peu freestyle. Donc on a des très très beaux cadeaux. Il faut vraiment rester avec nous jusqu'au bout, évidemment, pour découvrir le jeu, mais pour repartir avec votre collector. Alors il n'est pas encore arrivé, mais je peux vous dire que la boîte, elle est comme un sein. Il te faut un appartement pour la faire rentrer. Le collector, le poster dédicacé par Jean-Pierre Miquel, donc la voix de Keanu Reeves. Ça part chez vous. Donc restez bien à la fin. Franchement, ce n'est pas des cadeaux qu'on a partout, donc on va en profiter. Bon, on va redevenir un petit peu sur le jeu. Et n'oubliez pas aussi, je ne l'ai pas dit, de poser vos questions avec le hashtag StreamVF sur Twitter. Et on sélectionnera les meilleures questions pour les poser directement à Jean-Pierre. Parce que moi, j'ai un œil sur le chat, mais je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Mais ce n'est pas forcément évident. Je te propose, c'est sur les trucs comme ça, on va essayer de choisir à deux les réponses. Il dit se connecter à la station radio, c'était pas si dur, je cherche Jackie Wells. Ah, Jackie Wells, interprété par Monsieur Covillo, Jérémy Covillo. Ah ! Un truc de fou. Ah bah d'ailleurs, on a une première question par Mimi, qui est une grande fidèle de l'émission. Bonjour à vous deux, Jean-Pierre, vous avez aimé doubler Billy dans The Boys. Tu devances mes questions. Billy Butcher. J'ai adoré, c'est un rôle, je m'éclate complètement dedans. Mais comme cette série d'ailleurs est éclatante pour tout le monde et tous les gens qui la regardent, donc ouais, c'est un vrai bonheur à faire. C'était pas évident, t'as été choisi sur Essai ou t'as été d'office? Non, sur... j'avais fait Karl Urban déjà dans plusieurs films. D'accord. Dans Le Seigneur des Anneaux et dans Red. Et donc, voilà, c'est Benoît qui m'a demandé, Benoît Dupac qui m'a demandé...
si je voulais faire cette série, et je me suis dit, mais avec joie, quoi. J'adore ce comédien, et en plus, quand j'ai découvert le truc complètement décalé comme ça, je me suis régalé, quoi. Ah, c'est, mais c'est, ça, c'est des cadeaux. Quand, tu t'es rendu compte tout de suite que c'était une série de ouf, de délire, et qu'il fallait le kiffer sur le moment ? Ce que dit Benoît au départ, c'est tu vas voir, on va s'éclater, c'est une série de malades et tout. Donc, mais nous, on ne la connaît pas, personne ne connaît The Boys au moment où elle n'est pas sortie. Donc on le découvre, on regarde un demi-épisode, on dit ah, quand même, ils vont loin. Là. Et puis alors après, ça déroule le tapis, quoi, sur, sur tout le délire qu'ils ont sur chaque chose. Ah, c'est clair, c'est vrai que c'est des séries comme ça qui sont vraiment très cool. Bon, on fait quoi ? On s'excuse ou on le rentre un peu dans le. Il faut choisir, c'est ça ? Ouais. Et attends, lui, il fait quoi ? Lui, c'est le shérif, il ouais, va te chercher des noises. Il te dit quoi, je fais que passer ? Ça, c'est nous. C'est, ah, c'est nous. On dit quoi, je fais que passer ou désolé ? Désolé. Allez, désolé. Toujours s'excuser devant la police, surtout en ce moment. Tu es poli. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr, en ce moment. Mais ouais, il manque le masque, hein, monsieur le shérif. T'en penses quoi, là, sur ces premières minutes, là, de cet an ? Alors, on est sur Xbox Series X. Moi, je ne l'ai pas testé sur PC, mais bah, sur Series X, ça tourne bien. Et là, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai répondu tout de suite le pas vraiment. D'accord. Parce que sinon, je pense que c'est... À mon avis, ah, j'aurais dû... Parce que moi, ça se passait bien avec le shérif. J'aurais dû voir si ça pouvait mal se passer et genre faire un petit gunfight. Ça aurait été bien. Tiens, je vais pas répondre. On va voir ce qui se passe. Je crois qu'on va pas s'entendre. Ah ouais, on va tester. Voir les différentes possibilités. Quoique, ça se trouve, ça peut finir... Ça peut finir. Ça bien. Peut mal finir. Bah, il est... Et donc, ouais, dans l'ambiance pour toi, c'est des trucs qui t'inspirent, des univers qui t'inspirent, ça, ou du Blade Runner c'est, Alors, moi, j'ai le jeu, j'ai été très addict au jeu, mais quand j'avais 20 balais, quoi. Et donc, c'était les premiers jeux vidéo un petit peu développés, et ça m'a bouffé des heures et des heures où je me suis pris la tête là-dessus, et à tel point que j'avais du mal à apprendre mes textes pour aller fêter l'après-midi, je n'arrivais pas à lâcher. C'était un cauchemar, quoi. Mais c'était à l'époque sur Atari, sur Amiga, sur machin. Ouais, les vrais premiers jeux, quoi. Et en fait, du coup, après, avec la vie, les familles, les machins et tout, j'ai laissé tomber. Mais je ne veux pas mettre le doigt dedans parce que je sais que je vais tomber direct. Donc là, on te fait pas repartir avec une série. Non. Tu sais qu'il est donné genre pour 200 heures, hein, si tu vas toutes les étiquettes et tout. Mais ça m'étonne pas. Vu le temps qu'on a passé à le faire, il y a de quoi faire, à mon avis. Bon, on ne peut pas tout dire, mais ça représente quoi ? Des semaines, des mois, c'est quoi ? Pour l'ensemble du jeu ? Ouais. On a commencé en septembre dernier, à mon avis, et on a terminé, on a fait les derniers accords là en septembre. Ah ouais. C'est vraiment des énormes projets. Je disais à Elias, qui était venu sur la dernière émission sur Spider-Man, et donc qui fait V, je lui dis, mais du coup, tu as planté ta tente là-bas ? Comment ça s'est passé ? Il a pris un appartement au-dessus ? Non, on était là-bas très souvent. Mais moi, je ne crois pas que j'ai le rôle le plus touffu par rapport à eux. Pire, ouais. Ouais, ils étaient là beaucoup plus que moi, quoi. Ouais, c'est clair. Comme tu le dis, j'arrive qu'au bout de je ne sais pas combien de temps. Oh, il y a une bonne... le prologue, il est long, mais il est long, ça pose bien le truc. Hein. Mais donc, tu joues dans le prologue quand même ou ça se fait automatiquement ? Non, c'est comme là, tu vois. D'accord. Donc là, c'est le tout début. On a la vie de nomade, donc moi, c'est ce que j'avais choisi. C'est pour ça que j'ai voulu refaire le même. Tu as différentes factions. Et donc là, on commence avec la voiture, mais je trouvais ça cool de Et là, c'est V derrière. Qui est dans c'est le V, en fait, c'est tout en vue subjective, en FPS, d'accord. Comme on dit. Fermez la porte et on va narguer un petit peu, voir s'il est vénère. Casse-toi, vas-y. Ah non. Pour sortir du garage, regarde maintenant. Ah, ça y est, il est énervé. T'as vu, il est une petite. Quelque chose me dit qu'on le. Voilà. Il reviendra. Alors, on est parti. Ouh. Putain, c'est beau quand même. Ouais, franchement, il tourne bien. Alors, je pense qu'il n'y a pas photo sur PC, c'est là que c'est l'arme fatale. Mais sur Series X, PS5, je n'ai pas testé, mais ça doit forcément être pareil, donc ça, c'est bien. Il est tellement gourmand, le jeu, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile à dev pour tout le parc de consoles, quoi. Alors là, on est... Et tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu partir sur Nomad, parce que là, on voit Night City qui est au loin. Ah. Et on est dans les. Et comme on ne le reverra pas après, je trouvais ça dommage de ne pas vous montrer un petit peu à quoi ressemble. Ça, c'est les Badlands, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Ou Badlands, c'est des trucs de Borderlands. Je mélange les licences, mais c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas. Et donc là, on va aller en haut de la tour radio. Mais tu sais ce que tu dois faire ? Je l'ai fait. Étant donné. Normalement, je ne teste jamais le jeu avant avec l'invité. Mais là, étant donné que Kinu n'est pas là avant bon moment, j'ai avancé sur le jeu et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai mis 2-3 soirs avant de finir le prologue. C'est te dire la grandeur du jeu. C'est la richesse du truc. Ah ouais, c'est un truc de fou. Alors, escalader la tour radio.
Alors, surtout les gars, comparé à d'habitude, j'ai pas le chat qui est sur le grand écran, donc je vais manquer quasiment tout ce que vous allez me dire en question. Faudra pas m'en vouloir. Alors, là, on va appeler à la radio. Et tu vois, en fait, ce qui est cool sur ce début, c'est que tu vas voir, on va passer le contrôle de la douane. Et je trouve que c'est là que tu te rends compte de toute l'immersion. Et franchement, le jeu, je suis pas fan de RPG, mais quand t'es dedans, l'RPG, c'est quoi? C'est des jeux de rôle. D'accord. Et donc, du coup, tu développes ton personnage. Ouais. Et sur ce jeu, l'ambiance, l'immersion était dedans, quoi. Vraiment, c'est assez bluffant. Alors, j'ai besoin de ton aide ou t'es pas content? Alors, on va faire le gentil. Ouais, on va faire le gentil. Tu l'avais vu d'ailleurs, Keanu Reeves, quand il avait parlé à la présentation à l'E3, ouais. Le You Breathing. J'avais vu, plus que ça, c'est surtout l'annonce du jeu où tout le monde fait ouais, c'est sympa, putain. Et en plus, on a une petite surprise pour vous. Le voici. Et là, l'éclate totale du public. Mais c'est clair. Qui hurle sur Keanu. Ce mec a une sorte de, un charisme naturel et il est hyper sympathique. Et les gens sont happés vers lui. Il y a quelque chose de très positif chez ce mec-là. Et donc, son arrivée, les applaudissements, la chaleur du public pour tout ça était super touchant. Ah, c'est fou. Mais merci, Moustache. J'ai vu passer la petite pop-up. Il me semble d'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé un message direct quand c'était passé à la 3. Il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. Hein ouais. J'ai fait. Tu vas être dans le jeu! Et là, moi, j'étais fou, évidemment, full jalousie. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé sur le jeu, hein. On m'entendra qui veut. j'aurais kiffé. Hein. Mais ouais, c'est des cadeaux de ouf. Attends, à chaque fois. Alors, il faut savoir qu'une échelle dans un jeu vidéo, soit ça met 3 plombes, soit tu casses la gueule. Alors, quand j'ai fait ma partie, je me suis cassé la gueule, mais comme une merde. Mais ouais, mais tu sais que ça manque. Hein. Hier, il y avait la cérémonie des Game Awards et c'était encore. Il n'y avait rien. Ah non, mais c'était du remote encore, comme en Zoom. Tout 2020. Oh là là. Ah, il y avait une présentatrice, mais ça manque le public, ces trucs-là. Et même moi, si je le vois de la maison, il y a un truc qui manque. Ouais. Tu vois, mais bon, ça reviendra. Allez, rejoindre le lieu de rendez-vous. Donc tu sais où est ce lieu? Ah non, tu dois suivre la carte, c'est ça? Ouais. Il y a Nessif qui me dit sur le chat que j'ai pas fait le garçon écuyer dans Cyberpunk. C'est vrai que ça pourrait être un running gag qu'à chaque fois qu'il y a un garçon écuyer, un tout petit rôle dans les jeux, de me mettre dessus parce que sur. Là, il y en avait quand même des petits rôles. Non, mais bon, je vois qu'ils m'ont pas appelé, c'est pas grave. Hein. Ah, si, Stéphane, hein. Si tu me regardes, hein, ça fait plaisir. et du coup, ouais, sur Last of Us 2, j'avais fait un garçon écuyer juste pour faire le clin d'œil. Parce qu'il se trouve que. Le clin d'œil était fait aussi aux États-Unis. C'était le mec qui fait la voix de Spider-Man en VO qui avait aussi fait ce clin d'œil-là. Donc du coup, on est allé au bout du truc et on l'a fait aussi. J'ai trouvé ça trop, trop cool. Keanu Reeves, toujours, tu l'as commencé la première fois sur le fleuve de la mort en 86, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu as été casté sur lui? Est-ce que c'était là-dessus ou est-ce que c'était le truc avec Pacino? Non, La Société du Diable, c'est après. C'est après? Ouais. J'ai bossé, hein. Ouais, c'est bossé, c'est bien. Mais 86, ça me paraît impossible. Bon, bah alors j'ai peut-être dit une connerie, j'ai bossé, parce mais il était tard. J'ai pas fait de doublage avant 97 ou 98. Ah, alors, c'est Wiki qui dit une connerie. Ouais. Mais bref, j'aurais dû le faire mieux. Non, mais il y a beaucoup de connerie sur Wikipédia. Comment tu fais? Eh bien, on m'a appelé. Moi, je me souviens surtout, c'est pour ça qu'il me semble que c'est plus l'Associé du Diable que j'avais fait en premier. Bah, en fait, on le verra après dans un best-of de Keanu Reeves et on le verra. Keanu Reeves c'est hyper jeune ou alors il est très jeune. Ouais. Il avait déjà fait Speed. Ouais. Il avait déjà fait 2 ou 3 gros gros films et là donc c'était. on a des trolls dans le chat, Guillaume. Bon alors comment ça se passe oui, j'allais t'en parler justement. Jude Law, Ben Affleck, tu te le partages avec d'autres acteurs? Ça se passe comment les cohabitations? Ça se passe très bien. Moi, je l'ai fait depuis, pareil, 20 ans ou 25 ans. Et puis après, il y a des clients qui changent, qui préfèrent l'un ou l'autre. Donc voilà, on décide pas, on se laisse faire et on attend que les choses se fassent. C'est énorme, c'est que Guigui, donc, a posé cette question-là, nous a dit que la deuxième émission de StreamVF qu'on a fait, c'était avec Boris et il avait posé exactement la même question vis-à-vis de toi. Ah ouais. C'est rigolo. Enfin, c'est cool. Est-ce qu'on vous l'entendez bien, le jeu? Dites-le nous dans le chat. Et franchement, ce qu'il a fait, Jérémy Covillo, sur Jackie Wells, c'est superbe. Franchement, il y a une alchimie qui se passe entre les deux. C'est trop cool. Mais ouais, il était déjà venu dans une émission précédente. Il est bien éloigné. Il déchire. Ah, jeu très faible. Ok, on va remonter ça. Merci de me le dire. C'est ça, Heywood. Et parce qu'ils entendent le son de ça directement. Ouais. Et toi, parce que même moi, j'entends. On va dire que chez moi, ça ressemble. Par contre, vous pouvez baisser un tout petit peu le retour plateau. C'est un peu fort. On va s'entendre à merveille. Il est génial, le personnage de Jackie. Cargaison. Alors, on va prendre quoi? Il y a quoi dedans?
Y a quoi dedans? On entend la différence. Moins t'en sauras, mieux ce sera. Parce qu'il fait avec Miles Morales, qui est hyper faible. Je sais même pas ce qu'on doit faire passer. Il est hyper jeune sur son Miles Morales. Et là, on voit que ça sert de Elias. Ah ouais, ouais, ouais. Incroyable, absolument. C'est pas le même. Mais ça, c'est beaucoup plus proche de sa tessiture naturelle. C'est clair. Tu sais, c'est clair. Ça laisse vachement sur Miles Morales. Miles Morales est devenu adulte, on nous dit. Bah ouais. Megaman dit, qu'as-tu pensé du tournage pour Santa Clarita Diet où tu doublais Timothy Olyphant? Comment ça, qu'est-ce que j'ai pensé du tournage? Bah, je ne sais pas. Je n'ai pas tourné deux ans. Oui, mais qu'est-ce que tu as pensé du, en tout cas du film? Eh bien, pareil. Les cadeaux incroyables. Ouais. Cette série est dingue aussi. Totalement décalée. On met ça dans la voiture. Et donc voilà, je me régale. Parce que Timothy Olyphant, en plus, c'est vraiment un bon taré aussi qui fait des choix toujours très différents, très osés. Ah oui, c'est sûr. Il passe de Justified à Deadwood, à Santa Clarita Diet, qui sont à 15 000 km l'un de l'autre. Et, tout. Et pour un comédien, c'est juste un bonheur quoi, à faire. Et là, je viens de le faire dans Fargo, la série. Ah yes. Où il participe sur une saison. Mais c'est dingue ce qu'il fait, c'est dingue. Les gens, ils reconnaissent ta voix? Non. Non? Pourtant, très rarement. Il y en a, oui. Mais c'est très rare. Pourtant, elle est. Ça fait quand même la voix du beau gosse. Le film Brad Pitt, quand même, ça marque. Hein. Bon, on revient sur Keanu Reeves. On en parlait tout à l'heure, justement, de l'associé du diable. T'avais du bagage derrière toi. T'as réussi à trouver tes marques tout de suite sur un rôle comme ça? Ben non seulement ça, mais c'est un rôle en plus énorme, puisque c'est le rôle d'un avocat. Donc c'est le genre de truc qui dépote de la ligne sévère. Oui. Donc, je crois qu'il y avait 1000 lignes directement sur le film. Il y avait beaucoup. C'est énorme, énorme sur un film. Et j'étais avec José, en plus, que je ne connaissais pas du tout. José Luccioni, ouais. Que vous avez pu apprécier dans la précédente émission. Et donc, c'était la première fois que je le rencontrais. C'était un de mes premiers doublages. Vraiment, franchement, j'avais pas une expérience de dingue. Mais j'ai adoré ça, quoi. Parce que ce film est fascinant aussi. Et que ces acteurs-là sont de merveilleux acteurs à doubler. Sur lesquels travailler, et avec José en plus, c'était à l'époque où on pouvait encore enregistrer ensemble. À l'époque, fut un temps. Et c'était un bonheur, quoi. Bonheur. C'est clair. Un projet à la frontière. Ah, c'est des sacrés projets. Ouais. Bon, on arrive à la douane. C'est le moment où je... Tu sais, franchement, je savais pas si j'allais aimer le jeu. Là, tu arrives à Night moment, City, là, c'est là. Ouais, là, c'est l'entrée de Night City. C'est le moment où je me suis dit, je vais kiffer le jeu, parce que, tu vois, tu te dis, là, normalement, dans un jeu, tu veux une cinématique qui va commencer. Et là, non. Déjà, on peut changer de caméra, ça peut être rigolo. On voit Jackie dedans. Donc, ah, d'accord. Ça, c'est cool. Et là, tu vois, c'est con, mais ce détail, il faut attendre que la voiture devant ait son contrôle. C'est en temps réel sur le truc. Ouais, tu sens que t'es dans le jeu. Enfin, c'est con à dire, mais tu sens vraiment une immersion, un truc qui t'englobe. Ouais, tout le monde en parle de l'immersion, mais c'est vrai, quoi. Est-ce que c'est vraiment différent par rapport à d'autres jeux du même niveau? Ouais, bah après ils ont fait The Witcher aussi, qui est un monument là-dessus. Oui, on en a fait une émission, c'était génial. Mais c'est moins ma cam. Là, c'est post-apo, c'est futuriste, c'est cool. Et le fait de pouvoir avoir le choix des réponses qui font que ça influe. Franchement, quand j'ai réussi à hacker la carte de crédit, j'ai vu que ça avait changé un truc, je pensais que ça avait rien fait, et putain je vois qu'en fait, grâce à ça, j'ai pas eu le gunfight avec tous les maelstromers, on le verra peut-être tout à l'heure, mais ouais, mais c'est pas grave, c'est dans le prologue, donc c'est ouf, parce que tu sens que, comme dans Detroit Become Human, tu sens que tu peux aller n'importe où, t'as plein de directions, ça c'est génial. C'est-à-dire que tu peux résoudre les choses de façon différente? Pacifiquement, ou alors au gunfight. À la fin du prologue, moi je me suis fait cramer sans dire ce que c'est, mais je me suis dit, si ça se trouve, on peut le faire en fufu. Et c'est le cas. Ah non, moi je suis passé comme un bourrin. Ouais. Alors du coup, t'as du fric pour lui. Il va falloir allonger quelques Ah, qu'est-ce que je fais? Et tu sais quoi, je vais essayer d'aller un petit peu à la contrepoil de ce que j'avais fait pour voir comment ça se passe. Là, par exemple, tu vois, il nous passe l'argent pour aller donner au douanier. Et je vais voir si je lui donne pas, ça change quelque chose. Et ça, c'est cool, c'est que tu vois, un autre jeu, on aura une cinématique. Et là, on y va, quoi. Ok. Et tu vas où? On va au poste de douane. Ah, tu vas au poste de douane on direct. On va se faire contrôler. Ah ouais. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Bien, monsieur. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que la VF, elle est hyper qualitative. Vraiment, c'est de manière globale, c'est top. Quoi. Ouais. C'est pas évident. Toutes les VF sont pas égales. Et sur celle-là, c'est un sans faute.
On re-salue le taf de Stéphane. Mais ils ont pris un... Ouais, il y a un beau casting, hein, franchement. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est là qu'on va voir si on peut faire changer un petit peu le truc. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais faire l'envers, voir ce qui se passe. Je sais comment ça marche, tout est là. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Alors. Moi, ce soir, je rentre le jour. C'est vrai ? Ah bah oui. Direct. Direct. T'en as fait combien, là, pour l'instant, de ça ? J'ai joué une dizaine d'heures. Ah, déjà ? Bah ouais, wow. Obligé pour l'émission. Oh my god. Alors, du coup, je donne pas le backchiche, on va voir. S'il y a un problème... Ouais, bah, parce que comme il est pas au début, ouais, 5-6 heures, quoi. Mais j'ai encore rien dit. La bande-annonce VF a présenté un sacré casting, en effet, nous dit Red Ortivia. Ah non, il faut qu'on lui donne. Ok, bon, ça c'est scripté, il faut lui donner. D'accord. Ça ne se passe rien si tu le fais pas, quoi. Bah, en fait, tant qu'on ne lui donne pas les thunes, on avance pas. Et je pense qu'on peut faire un stream live jusqu'à 4h du mat, on sera encore devant son bureau. Après, ça peut être une garde-ave, hein. Genre, ça reste à voir. On peut avoir un petit plaisir, comme ça, de rester à table, tranquille. Ouais, c'est clair. Et puis juste après ça, on ira voir un petit peu. On va voir si on enchaîne les clopes et tout. Ah, ça vous regarde pas. Ah oui! Attends, je vais faire ça. Je vais faire ça, vous regarde pas, parce que j'avais dit que j'étais tout seul. Et du coup, après, ils m'ont tendu une embuscade. On va voir si ça change quelque chose. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content. Ah, mais il m'a répondu la même chose. Je vais rien répondre pour voir. Qu'on peut ne rien répondre. Ah, d'accord. Ça peut aussi. Votre associé vous attendra. Ah non, ça sent l'entourloupe. C'est bon, on va se faire niquer. Ah bon ? Ouais, ça sent la course poursuite. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Bah, tu sais quoi, avant et la course. Fringue. De quoi, mon flingue ? Oh, okay. Hey, attends, heureusement que tu es là. Tu sais. Attention avec ce jouet. On va voir si ça change quelque chose. Et la petite vidéo, quand on rentre à Night City, elle est trop cool. Comment ça s'est passé ? Enfin, je te raconterai dès qu'on aura fini. Juste après, on va regarder une petite vidéo de Keanu Reeves qui va retracer un petit peu tout ce que tu as fait. Mais on va regarder un petit peu. On va passer cette séquence, je pense. C'est la première fois qu'on va tirer d'ailleurs. Tu vas tirer sur quoi ? Bah sur des douaniers. Il faut pas le faire dans la vraie vie. Le douanier m'a pris la tête. Ah bah j'ai pris, il y a quelque chose de louche, tu vois, je t'ai pas écouté. J'ai un mauvais pressentiment. Ah merde. Et Matrix, qui est quand même encore mythique aujourd'hui. Ouais. Tu comprenais ce que tu faisais sur le moment où tu disais mais c'est quoi ce film ? Alors, le truc de Matrix, c'est que c'était les débuts du. C'était les années 2000, le début du piratage Internet. Ouais. Donc, c'est pas bon. Et c'était un des premiers films. Ah bah non. Arrêtez immédiatement. Il faut pas rester là ! Ok ! Oh merde. Ouais, c'est pas grave, j'ai l'habitude, t'inquiète. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corporation. Je répète, arrêtez le véhicule. Et donc, ouais, tu disais. Alors, on était en pleine peur de d'être piraté et tout ça. Et donc, on a commencé à faire Matrix. C'est pareil, moi je l'ai découvert au moment où on l'enregistrait directement sur l'écran. Et les effets spéciaux n'étaient pas terminés. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment, tu sais, il a la bouche, on lui ferme la bouche et il a des trucs de peau, machin, qui se retiennent, il n'arrive plus à parler. Ouais, c'était incroyable cette scène. On en parlait tout à l'heure de Keanu Reeves, de toute la filmographie monstrueuse que tu as dessus. On a préparé une petite compilation juste sur Keanu Reeves, parce qu'il y en a tellement, c'est énorme. On regarde ça ensemble. Et puis je vous emmerde ! Je viens vous signaler un meurtre et je me retrouve accusé du crime ! J'ai besoin que vous me guidiez. Je serai sous terre. Menez-moi à lui. Oh, on fait une partie à deux ou à trois, peu importe. Non, c'est pas grave. L'étoile de mer. Allez, le mari, vous n'en avez rien à foutre parce que vous baisez sans même regarder avec qui. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Tu as réussi leur épreuve. Tes hommes sont hors de danger. Ces sabres sont à toi. Les victimes, c'est plutôt les écoliers de 14 ans que les suspects ont mis en cage et vendus à des adultes qui les filmaient pour pouvoir les mettre sur Internet. Suspect, Washington. Suspect. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as peur de ce que tu pourrais leur faire ? Eh ben, je vais continuer. Je vais expédier ton cul foireux là où il devrait être, sale merde d'hybride. Bon, et franchement, t'en as fait un petit paquet. Justement, quand on te parle de doublage, on te parle de quoi, généralement ? En général, c'est ça, c'est Brad Pitt et Keanu Reeves. D'accord. Qui sont ceux dont on parle le plus, qui sont les plus emblématiques dans les acteurs que j'ai la chance de doubler, ouais.
D'accord, ouais, ouais, forcément. Bah, c'est des mecs qui marquent toute, bah ouais, toute une génération. Dites-nous sur le chat le passage que vous n'avez pas entendu, parce que tant qu'on y est, on a le temps. Je peux répéter. Oui, on peut répéter. On peut répéter. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'était tout le truc sur Matrix à ce moment-là. Bah, on peut. L'anecdote, c'était quoi? Sur tout Matrix? Je pense que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est des effets spéciaux de Matrix. On en parlait tout à l'heure. Du coup, c'est que il n'y avait pas les effets spéciaux qui étaient terminés. Non, les effets spéciaux de Matrix au moment où je l'ai vu, où je l'ai enregistré, n'étaient pas terminés. C'était au mois de février 99. C'est des choses qui arrivent. Je me souviens puisque ma fille est née à ce moment-là, au moment où j'enregistrais. Ouais. Donc j'étais en studio tout le temps là-dessus et les effets n'étaient pas terminés. Par exemple, c'est ce que je te racontais, il y a un moment, Keanu Reeves est interrogé et il a la bouche qui se ferme avec des trucs comme « il parle ». Là, il n'y avait rien du tout, il y avait juste sa bouche et il faisait le guignol, comme ça. Donc incroyable. Tous les trucs n'étaient pas encore posés. Donc c'était un peu surprenant parce qu'on le regardait faire, on se dit « mais pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce que… » Ouais, c'est ça, on n'est pas de l'habitude encore de… De quoi ça parle exactement ? Ça, plus les trucs avec la caméra qui tournent autour des mouvements, tu sais, le truc qu'ils ont inventé. Avec les, je ne sais pas combien, une dizaine d'appareils photos. Hallucinant, mais là, on voyait juste l'image, mais avec tous les appareils photos encore présents, les trucs, les fonds verts et les machins. Ah ouais. Les filins quand ils se battaient en tai chi, machin, avec l'un et l'autre et tout ça, donc… C'était le film en post-prod encore qu'on découvrait. Donc moi, je le découvrais et heureusement, il y avait un scénario d'enfer que j'ai adoré. L'histoire, ce qui se passait, le côté hacker en plus dans les années 2000, c'était vraiment les débuts de… C'était le début de tout, quoi. De la fin. Absolument. et donc voilà, et j'ai découvert ça au fur et à mesure comme un gamin pour le voir ensuite. En vrai, au cinéma, et à me prendre une grosse claque. Quoi. J'ai pas à me plaindre au niveau des rôles qu'on m'a confiés, mais t'as été servi aussi. Hein. Ouais. C'est vrai, j'admets. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, on est reparti sur la fin du tout premier intro du jeu. Et il y a un truc qui est très cool aussi, c'est quand… Ouvre-la. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ouvre-la. Merde. Il a une voix très légère, j'ai réussi. Oui. Il vient de voler un gros poisson. Alors, on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Oh là. Non, mames. Un iguane. Un vrai iguane. Des petites antilles, je crois. On devrait le vendre. Direct. Le mec, il a pas le temps. Oh la vache. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais. Je crois qu'il va bien nous aider. Nous? C'est bien calé, ouais, hein. Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Alors ça, on a un travail que tu connais, évidemment. En général, quand c'est en pleine face, on a un début-fin au niveau des longueurs d'onde, des formes d'onde, où vraiment, on a été tenu, même quitte à changer le texte et tout, à être vraiment pile en début-fin pour que ça puisse rentrer exactement comme ça. Moi, des fois, au bout de faire comme ça, c'est toujours décalé. Hein. On c'est vrai. Ah oh ouais, il y en a sans sortir des noms. C'est tu veux dire quoi? C'est en post-prod après, il les recale pas bien, il les ah ouais, pas mais c'est décalé, mais de ouf. Ah, il y a des jeux, j'étais obligé de passer. Tant se fait bien chier quand même avec ça, j'espère. C'est exactement que ça. Non, la plupart du temps, ça va. Il nous flingue pas le boulot après, quoi. Ça serait dommage. Ça doit être dur. Non, non, ça là-dessus, il y a pas de souci. Comment toi, t'arrives à nourrir un personnage en jeu vidéo? On en parlait tout à l'heure de Watch Dogs, mais. Tu t'imagines les situations, tu fais… Alors, dans les jeux vidéo, c'est un truc très particulier parce qu'en effet, aucune information graphique, aucune information de décor, de situation, de personnage avec qui tu parles ou en tout cas, on te donne un nom, on te dit c'est le mec qui fait ceci, qui fait cela et tout. Donc, tu pars vraiment dans une pure supposition, une pure imagination. Et je ne sais pas si ça te fait ça, mais le jeu vidéo, c'est un truc sur la longueur. C'est-à-dire qu'on commence… Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression de partir dans une forme d'hypnose. Intéressant. Où tu répètes sans arrêt, parce que c'est des tout petits bouts de phrases. Okay, allez à droite, allez à gauche. Et on se tire en attends. Vitesse. Ouais. Et tu vois, et t'as une sorte de machin où forcément, à force de parler, de donner ce ton-là ou cette histoire-là, ce que tu imagines, t'as un univers qui se crée malgré toi. Avec des images qui se créent. Moi, je sais que je rentre dans une forme d'hypnose complète là-dessus. Tout d'un coup, je suis dans l'histoire et dans ce qui se passe. Et ça, tu vois, typiquement, ce qu'on voit là, on ne les voit pas. Elle est très marrante, cette scène, elle est très sympa. On voit, c'est devenir les meilleurs potes du monde. C'est quoi tout ça? On voit qu'ils kiffent, ils font leur life ensemble, ils sont devenus partenaires. Et on voit comment ils évoluent leur. Ah, d'accord, c'est une petite cinématique alors.
Ouais, pour une fois, c'est vrai, il n'y en a pas des tonnes. Vous entendez assez le jeu sur le chat. C'est vachement beau. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. C'est ce qu'on dit en tout cas. C'est Damien Ferrette qui est. Mais on ne peut pas rester autant, très longtemps. La vie se consume vite quand on l'a brûlé par les debout. Ou alors quand on se prend une balle. Les fameuses soirées boîtes, alcool et bagarres et pertes de dents. Celles qu'on fait tous les samedis. Non, on tourne pas sur PC, Spartan les gars, sur Xbox Series X, hein, comme quoi ça tourne bien. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ça, mais il tourne très bien sur Series X et j'imagine PS5. Donc, il est joli. Tu sens bien qu'il y a un jeu bien barré quand tu vois ça. Ah ouais. Et ils se sont bien lâchés sur certains trucs. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais les lumières sont dingues. C'est du ray tracing partout en plus. Je suis pas sûr qu'il y ait le ray tracing sur les consoles. Il doit arriver évidemment sur le patch next gen. Il y est si tu as une carte Nvidia sur la version PC. Mais je crois qu'on l'a pas encore sur la version. Par contre, on tourne à 60 FPS. D'accord. Ça oui. Ça va être beau. Hein. 6 mois plus tard. Ouais, ça va être très cool. Très cool. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux. Ah, c'est un éclat. Remettre à niveau. Un éclat d'entraînement. Un petit exercice de tir en VR. Passer le didacticiel, bah oui, parce que là on va pas perdre ton influx, ce serait dommage. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ah, il y a une série dans laquelle t'as doublé que j'ai adoré. C'est Homeland. Ah ouais. Ça. Ah, c'est pareil, ça aussi, c'est des cadeaux quoi. Mais on a la chance d'avoir depuis 15 ans quand même des séries. D'une qualité d'écriture et tout, et quand on participe à ça, c'est un tel bonheur. Et Homeland, c'est pareil. Je l'ai découvert, comme tout le monde, au moment où on l'enregistre, donc avec un scénar de dingue. Et Damien Lewis, qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi, que j'avais déjà fait avant sur Life, qui était une série qui passait sur TF1 où il jouait un flic. Et donc là, je le reprenais sur ce rôle-là. Et il a toute cette ambiguïté là-dessus, ce côté un petit peu... Moi, je le suivais je suivais la série d'abord en anglais, je l'avais regardé et j'étais fasciné par ce scénario où sans arrêt on danse d'un pied sur l'autre en se disant mais c'est vrai, pas vrai, c'est un enculé, c'est un mec pas clean. Non, c'est ça qui est hyper bien fait dans le scénar et les doutes d'elle par rapport à lui en permanence. Et bon, malheureusement, je regrette que ça n'ait duré que 3 saisons pour lui. Ouais, mais c'est vrai qu'on spoilera rien, mais c'est vrai que c'est étonnant des changements de protagonistes. Ah ouais. Aujourd'hui, tu dis, oh non, alors Game of Thrones, maintenant, ils ont tout révolutionné dans ce genre de truc, dans ce genre-là, mais on n'était pas prêts. Bah non. C'est clair. Alors, calmez-vous un petit peu, alors, on va pouvoir y aller. Merci, Kalianor, j'ai vu toute la petite ribombelle d'abonnement que tu as prise. Merci, ou que tu as pris. Merci énormément, c'est trop cool. Allez, c'est parti, on va aller parler à T-Bug, on va avancer. Ah, Valfi, 23e mois d'abonnement. Ah, fait partie. Alors lui, c'est quoi les abonnements? Les abonnements, c'est des abonnements qui permettent de soutenir la chaîne. Et du coup, 23e fois, il s'abonne. C'est bien. On a une émission qui est suivie par des vrais passionnés de VF et ils nous le montrent à chaque fois. De VF ou de gamer? De VF. De VF. De VF et de gamer, évidemment. Mais il y a, une vraie reconnaissance du métier. Et c'est toujours cool d'avoir ce retour en direct. C'est pour ça que le chat, c'est cool parce qu'on peut être en direct. Bah, ouais. C'est YouTube, les télés, c'est bien. Mais là, concrètement, on est en direct. C'est comme au théâtre. C'est ça qui est bien dans les streams. C'est ça qui est cool. Mais je ne vois pas de message, moi. Alors, ils en parlent. J'allais en parler, justement. Tu vois, faire mon assistant maintenant. Alors évidemment, les gars, vous attendez quoi? Il est sur Twitter, mettez-moi les messages avec le hashtag StreamVF, parce que là, évidemment, on en a sur le chat, et puis des questions, j'ai de quoi tenir jusqu'à 23h. Hein. Mais si vous voulez en poser, n'hésitez pas. Comme ça, moi, je peux les voir et je peux répondre direct. Voilà, parce que moi, je le filtre. Hein. Attention, sur le chat, ils ne les voient pas. Watch Dogs, ouais, c'était un beau morceau aussi, hein, quand même. Bah, Watch Dogs, c'était... Parce que c'était lui tout le temps, en fait. C'était... Moi, je l'ai fait intégralement. C'est vrai. Ouais, vraiment, je me sens même que je l'ai... Ouais, je l'ai platiné, tu sais. Non, je sais, l'histoire, elle est marrante. C'est-à-dire que dans les jeux, tu as des trophées ou des succès. Eh ben, j'ai tous les succès du jeu, sauf un, c'est à cause de moi, le PNJ. Je ne veux... Parce que du coup, c'est un jeu à boire et il faut faire des petits défis avec Aiden. Et c'est tellement dur dans les derniers niveaux que j'ai jamais réussi. Donc en fait, j'ai pas eu mon platine à cause de mon rôle. J'étais fou.
Ah, Valfi. Bon, bah Valfi, tu vas repartir avec ton jeu dédicacé, hein, comme d'habitude, avec un don pareil. Comme d'habitude, ça arrive chez toi. Le Miles Morales, d'ailleurs, il ne va pas tarder à arriver. Merci, poteau. Franchement, c'est... Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs à récupérer. Tu vois, tu as des éclats. Tu peux les, tu vois, on peut lire le message. Ah oui. Oh, écoute, on va, je ne vois pas mettre une télé qui marche bien non plus. Bien. Ça, oui, ça serait trop simple. En fait, tu as plein de trucs à lire qui permettent de rentrer dans le jeu. Et de comprendre ce qui s'y passe. Bah, pour ceux qui aiment le lore, comme on dit, c'est hyper fourni, c'est hyper chargé, il y a tout, c'est monstrueux. Alors, le lore ? Le lore, ouais, c'est un petit peu, c'est tout le background des personnages, l'histoire du monde dans lequel on est. D'accord. C'est ça. Alors, attends, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Ouais, il doit être là, Jackie. Voilà, c'est là. Donc là, on peut y aller en fufu, mais généralement, ça... Ça bastonne vite. Ça bastonne vite, donc... Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Ah oui, tu vas voir, parce que tout à l'heure, on va être à Kinu, avec l'ami Kinu. Et tu vas voir, quand on fait la séquence avec toi, le gun qu'il a, mais genre, tu fais une balle, boum, le mec, la tête, elle s'en va, il perd un bras, c'est un truc de ouf. Ah, par contre, faut que je me remette de la vie trop tard. Et je l'ai vu trop tard, j'aurais pas dû te regarder. Ah. C'est la première fois que je meurs dans le jeu. Bah, fallait que j'attende d'être en stream. Ah. Alors, chercher le dernier point de contrôle. On recommence tout au début. Non, non, mais alors ça, c'est stream VF. Ça, c'est moi pendant les streams. C'est. Je joue comme une gaze. Une banane. Merci, Mehdi. Voilà, c'est n'importe quoi. J'en mets pas une dedans alors qu'à la maison. Un mot sur la série Person of Interest. Je ne sais pas de quoi il parle. Moi non plus. Petite série que personne ne connaît. Bon. On va, justement, ça me permet de faire le lien direct avec ça. Tu as senti que sur Watch Dogs, ils t'avaient casté parce que tu venais de casser la baraque alors, la VF de Person of Interest. Ben, je ne sais pas du tout, parce qu'ils m'en ont pas parlé directement. Je pense que oui. Hein. À mon avis, il doit y avoir une sorte de familiarité avec le truc, oui, parce que c'est quand même très proche dans l'esprit, surveillance, machin, etc. Mais on ne m'a pas présenté ça comme ça, en tout cas. Ouais. J'ai passé des essais. Avec d'autres dessus, et voilà. Mais Person of Interest, oui, c'est pareil, c'est une série super que j'ai beaucoup aimé. Bah, et ça s'entend. Tu remarqueras qu'au niveau furtivité, on est dans le top niveau. Ouais. Je vois que tu, au niveau bourrin, tiens, tu vas te faire encore descendre. Ouais, mais faut pas que je te regarde. Mais ils sont très résistants quand même, parce alors, que 5 balles minimum. Alors, oui, mais alors ça, il y a une explication là-dessus. C'est comme tout à l'heure, je te disais que c'était un RPG. Alors qu'on n'est pas sur un Call of Duty où tu mets une balle dans la tête, le mec il est parti. Ah, d'accord. Là, ils ont tous, vulgairement, comme on les appelle, des sacs à PV. D'accord. Et en fait, bah, des points de vie. Voilà, plus tu les tapes et. Ah et non, puis. J'ai pas ramassé des trucs pour me remettre de la vie. Je vais essayer d'en aller chercher un petit peu. Il y en a forcément à côté. Et en fait, bah, c'est pour ça, c'est qu'en fait, tu fais augmenter ton arme, ton niveau de personnage, la réputation, tu peux augmenter tes statistiques. Et ça te permet, à la fin, de pouvoir avoir des meilleures actions au combat. D'accord. Sinon, si tu étais bon dès le début sur les jeux comme ça, c'est pas ça qu'on attend. Et ça c'est parfaitement logique. Par contre, je vois rien à chercher. J'ai un petit walk, là, si tu veux un petit truc. Ah, une petite question de Stéphane. Est-ce que tu t'attendais à cet énorme succès de Pirates des Caraïbes quand tu es je m'attendais à ce que ça fonctionne, oui, parce que vu les moyens qu'ils avaient mis dessus, l'histoire, les trucs dingues dont ça parlait, les effets spéciaux et tout, oui, c'était pas un film anodin, sachant qu'il y avait Disney en plus derrière. Ouais. Oui, je m'attendais à ce que ça fonctionne bien. Ah, par contre, je m'attendais pas à ce que mon rôle soit... remarqué alors que c'était un petit rôle par rapport mais il est revenu dans les trois il est revenu justement. Dans les trois ouais t'étais un fan de la saga ça... mais je l'ai jamais vu t'as jamais vu mais non. C'est génial cette saga ah, mais il faut que tu regardes ça avec mais le problème c'est que tous les films que je regarde je les re-regarde pas après quand ils sortent en général bah oui moi non plus mais bon parce que il n'est pas beaucoup ton personnage dedans tu non il n'est pas beaucoup quand même. Ouais mais je vais attendre je vais le faire avec mes filles là elles vont avoir l'âge donc on va regarder ça ça me permet de rebondir là-dessus ça te dérange de t'entendre dans les films, ce que tu tournes, ce que tu doubles, tu le regardes. Ça me dérange plus maintenant, ça y est. Je crois que j'ai réussi à m'y faire. Ah ouais, ça y est, t'as... Ouais. Moi, j'y arrive toujours pas. Hein. C'est vrai. Ah, c'est... Mais ça m'a dérangé pendant longtemps. Maintenant, ça me dérange plus, mais je regarde rarement les films en VF, en fait, maintenant, parce que sinon, je reconnais toujours les copains, les machins. Moi, ça me dérange pas. Je vois ce que c'est tu veux dire, mais ça me dérange pas. Si c'est bien doublé, par exemple, si je t'entends, bah, moi, Blanche, j'ai vu en VF.
Ah ouais. Ouais. Et ça me dérange pas de te reconnaître parce que j'oublie, c'est bien doublé. C'est l'acteur que je vois. Bah ouais. Brody. Moi, j'essaye d'apprendre ce que fait l'acteur en VO en général. À chaque fois, ça m'intéresse vachement. Ouais. Mais peut-être parce que je maîtrise bien l'anglais, donc je suis plus sensible à ce qu'ils font, peut-être. La VF, j'en ai pas besoin trop. Ouais, je vois ce que tu as. Tiens, en parlant de VF, ça tombe bien, c'est le pitch de l'émission. Tu sais que sur Watch Dogs, ce que tu as fait comme sur Aiden, quand ils ont changé de personnage pour le 2, tu sais qu'en France, s'il n'y avait que la France, ça n'aurait pas bougé. Ça n'arrête pas de bouger. Ça n'aurait pas bougé de voix si c'est de personnage, même si c'était un jeu qui était juste distribué en France. Ah bon ? Parce qu'on a été. Le taf que tu as fait, c'est vrai, hein ? Le taf que tu as fait. Ubi fait souvent des sondages comme ça sur les VF. Et on a été le seul pays où Aiden a cassé la baraque grâce à toi. Et donc, du coup, il y avait des stats de ouf. Et donc, du coup, s'il n'était que la France, ils ont changé parce que les autres pays n'ont pas aimé Aiden. Ah bon ? Et parce qu'en France, le taf que tu as fait aussi. Mais tu m'en apprends ! Eh voilà. Sans déconner. Elle est vraiment véridique, cette. Ah, c'est dingue. C'est ouf, hein ? Ah ouais ? Comme quoi. Et donc, ils ont changé le personnage uniquement parce que les spectateurs n'accrochaient pas trop. Globalement, dans le monde. Les joueurs n'étaient pas fans du perso. Ouais. Ah d'accord. C'est ouf, hein ? Ah, c'est, il va pas très bien. Non, elle est pas très très bien. Elle s'est mise dans le mojito. Oh là là là. Et elle dit bon. On arrive à temps. Elle est vivante. Et tu vas voir, là il y a une séquence qui arrive qui est super sympa où tu as l'ambulance volante qui arrive. C'est très très cool. Elle est vivante. Ouais, elle est vivante. D'accord, donc tu dois la sauver. Oui, ou pas. Attention au micro. Ah, ouais, forcément. Et là, du coup, on va. Ce qui est rigolo, c'est tous les trucs qui apparaissent comme ça. Et là, on va appeler la Trauma Team. C'est comme les Expandables, mais c'est pour les médicales. Ça doit être un piratage de biomodules. C'est ça. Tu m'étonnes. Bon, on va revenir sur aussi tous les autres rôles que t'as pu faire. T'as eu beaucoup avec Ethan Hawke aussi. Hein. Oui. Alors, Ethan Hawke, il fait une carrière également parce que... Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça. Il est dans un cinéma un peu parallèle. Il fait toujours un peu des films décalés, ouais. À part qui sont pas dans le grand circuit, c'est pas des blockbusters. De temps en temps, il en sort, je ne sais pas pourquoi, mais sinon, il n'arrête pas de tourner. Le mec, il fait 4 films par an, quoi. Ah ouais, quand même. C'est dingue. Tu le doubles systématiquement ? Non, pas systématiquement. Mais c'est toi qui colle le mieux. Mais je le fais souvent. Là, je viens de le faire sur une série pour Canal+, une mini-série, ouais. Où il est extraordinaire encore sur l'esclavage aux États-Unis. Fin du siècle 19e. C'est incroyable, quoi. Faut la sortir de la glace. Ah, c'est un acteur. C'est un vrai bel acteur. En plus, d'ailleurs, tous ils mûrissent vraiment avec qualité dans leur jeu, dans leur physiquement, dans leur. Mais arrête de déconner. Ouais. Et franchement, c'est incroyable, quoi. Je me régale aussi avec lui, parce que. Mais alors, lui, il s'économise pas. Ça se sent. Oh là là, il va très très loin, quoi, dans les déchirements, dans la violence, dans les hurlements. Il prend pas des petits rôles de simplet, quoi. Tu vois, des trucs de fleurs bleues et tout, c'est pas trop son truc. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai une question par rapport au doublage en général. Est-ce que pour toi, moi, j'ai tendance à croire, à me dire ce que t'en penses, mais t'as mis à la technologie. Est-ce que tu crois que comme moi, le métier, dans les 15 ans à venir, il est mort avec des IA qui remplaceront le doublage. Alors, je regarde un petit peu tout ce qui sort. Il y a les voies neurales, les machins comme ça. Ouais. Il y a déjà des trucs impressionnants qui peuvent être utilisés pour l'instant déjà sur des documentaires YouTube à la noix, des machins comme ça, où on peut, tu vois, tu tapes un texte et le truc te le dit de façon pseudo-naturelle. Mais on est quand même encore loin d'arriver au naturel. Mais ça arrivera, quoi. Ah ouais, hein. Ça arrivera parce que la vitesse à laquelle ça va est assez incroyable. Mais il y en a plein qui sont persuadés que ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il va y avoir l'âme ? Est-ce qu'on va réussir à trouver l'émotion ? Moi, pour un truc simple de documentaire, de texte, de présentateur, de machin, oui. Pour un commentaire, oui. Mais à la fin, si c'est vraiment à la virgule près que tout ça. Pour ensuite. Mais alors à ce moment-là, ça va être la même chose pour les comédiens. On va remplacer avec. Au bout d'un moment, on va avoir des acteurs virtuels aussi, de toute façon. Ouais, ça, on va y arriver. Donc il y aura un moment, ça risque d'arriver, ouais.
Et d'ailleurs, on a une nouvelle question. Quelle a été pendant le doublage d'Homer, Carl Urban? Alors là, mon meilleur souvenir, il est surtout très très lointain, quoi. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'était il y a 20 ans presque maintenant. Ça en a fait beaucoup. Ouais. Et je n'ai aucun souvenir. Dans la conscience, mais hey, on peut pas avoir des non, fois, mais... il y a des trucs où ça se passe bien, on fait le truc et puis voilà. Mais c'est pareil, il est pas. Alors il hurle beaucoup, il fait beaucoup de trucs, mais il n'y a pas de. Ouais. J'ai pas un souvenir particulier dessus. C'est pas un de mes rôles fétiches. On me demande sur le chat si j'ai eu des bugs sur Cyberpunk. Bah, vous le voyez depuis le début, il n'y en a pas. Enfin, mon patch Day One, il a bien fonctionné. Il y en a eu quelques trucs de collision, mais enfin, vous l'avez vu, là, il n'y en a eu aucun. Donc, c'est, pour l'instant, tout va bien. Revenons sur le doublage avec justement un panel énorme que tu peux doubler. Il y en a eu des tonnes. On a essayé de faire une petite compile au global de tout ce que tu as fait en doublage. On regarde ça et puis on débrief juste après. Et j'entrave Crudel, est-ce que tu me racontes? Oh, c'est vous êtes idiote ou quoi? J'en ai marre de ces imbéciles de blanchisseurs, tu entends? Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont pris ma petite fille, si je fais un pas de travers, elle est morte. Si tu disais simplement, Edgy, je te prie de m'excuser, je t'aime beaucoup. Ceci est le prix de leur sang. Et vous allez m'aider à trouver les salauds qui ont fait ça. Nous sommes en train d'expier les erreurs qu'ils ont commises, parce que lorsque la fin du monde viendra, il ne restera que nous. Ils l'ont trouvé dans son bureau ce matin, tellement défiguré qu'ils ont dû regarder son nom sur son badge. Approchez, il y a des amateurs. Restez comme ça, bien orange, je vous aurai tous, l'un après l'autre. Alors, à qui le tour? Général Hux, vous n'avez pas la moindre chance. Toutes nos forces sont mobilisées pour vous exterminer jusqu'au dernier. Un marine, comme mon père avant moi, et son père avant lui. J'ai jamais eu une confiance aveugle en votre machine, mais c'est votre œuvre et j'ai confiance en vous. Ce con-là est invisible. Si ça se trouve, il est juste là, cet abruti, en train de s'astiquer le manche en nous regardant. Vous êtes libre, bien sûr, d'emmener avec vous votre suite et vos servantes. Je t'ai dit que ce n'était pas moi, Marcus. Après toutes ces années, rien n'a changé. Tu ne m'écoutes toujours pas. Où est-ce que t'es? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que tes emmerdes. On n'a plus rien à se dire. Allez, c'est parti. T'en fais pas, mec. Les verres sont très propres. J'ai vérifié. Eh oui, mon drame du jeu à boire, il est là. Il est là. Et on a vu quand même... J'ai été patché. Ah oui, on a mis le scotch le plus discret du monde, mais au moins le micro, il tient. T'as vu les différences de graphisme entre avant... Ça, c'est quoi, 90 Fahrenheit, putain, ça remonte, hein. Oh la vache. C'est 2000, ouais, 2000, ça, pareil. Ça remonte un truc de ouf. Ah ouais, ouais, c'est assez énervé. C'est assez énervé. Ouais, et puis voilà, c'est ça. Mais comme j'ai dit toujours, il y a 10 piges. On avait un Nokia 3310. Aujourd'hui, tu fais des tweets de la Station Spatiale Internationale et tu discutes avec Thomas Pesquet, donc bon. Hein. Alors, les poteaux, on est sur la fin du prologue. Donc du coup, on va repasser sur le plateau et puis je vais avancer sur ce petit truc-là pour ne pas que vous voyez ce qu'il ne faut pas voir. Donc voilà. Non, mais voilà, c'est important pour... pour eux qui ont envie de découvrir Cyberpunk à la maison tranquillement comme il faut. Il y en a pour 2-3 minutes avant d'arriver juste au moment où on va découvrir Keanu Reeves et on va pouvoir voir un petit peu ton travail. Ça te démange de voir ce qui se passe, hein? Oui, bien sûr. Moi, j'ai rien vu, donc tu vois, je découvre complètement ces images-là. Oh, c'est horrible! Ah, ouais, non, mais tu rien. Ne dis rien. Alors, j'ai fait le compte, t'as fait 26 films avec Brad Pitt. Et 27 avec Keanu Reeves. Ah ouais. Quand même, hein. Ça fait un petit paquet. Itano, qu'il doit y en avoir plus. 23, je crois. Ah, 23. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Rip le micro? Ah non. Oh non, rip les oreilles du... Je n'arrive pas à sauter. Ah, c'est le micro qui saute. Ah, c'est les allées du direct. Bon, du coup, c'est le moment interlude. Bonjour et bienvenue dans ce live Cyberpunk avec cette magnifique manette de Xbox Series X avec la touche chair que vous connaissez. Alors là, le pavé fait un petit peu plus de bruit par rapport à avant. Ça fait des petits clics. Très satisfaisant. Nous n'avons pas pris le modèle Elite. Cependant, maintenant, sur ce modèle, nous avons un petit grip anti-sudation, anti-stress, anti ce que vous voulez et... les gâchettes qui font des headshots automatiques. Donc à gauche on vise, à droite on tire. Voilà. C'est une manette que vous trouverez au prix exceptionnel de 59,99€.
Et voilà, j'ai fini et toi, t'es Xbox, alors t'es pas PS5. Si, je suis les deux. Ah, t'es les deux. Et tu l'as déjà la PS5, évidemment. Day One. Attends, Day One. Évidemment. Eh oui, évidemment. J'ai été me renseigner par curiosité. C'est pas avant février, maintenant, de toute façon. Ah ouais, il y a... Mi-février. Oui, ça commence à faire un peu tard, là. C'est Noël, c'est raté. Hein. Bon, en parlant de Noël, t'as été gâté dans ton parcours. Oui, c'est ça, ta première pièce, c'était mise en scène par Francis Huster. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a eu ton passeport pour aller plus loin à la Comédie française? Pas du tout. Non, pas du tout. Francis, c'était mon prof chez Florent. À l'époque, j'étais à la classe libre de chez Florent et donc je l'avais comme prof. Et il montait ce spectacle-là avec, c'était Don Juan, avec Jacques Weber et Fanny Ardant, au rond-point. Et il avait besoin d'acteurs. Donc en général, il se sert toujours dans ses élèves et dans les gens avec qui il travaille régulièrement. Et donc, on avait passé tous une audition pour lui. Et j'ai eu la chance de faire, du coup, mon premier spectacle payé. Classe. Au rond-point, avec Huster, Weber, Fanny Ardant, Isabelle Nanty et plein d'autres. Donc voilà, c'était génial, quoi. On a fait ça pendant 6 mois direct. Ouais. Et c'est la première fois de ma vie où je gagnais ma vie. Bien. Pas évident, comédien, bien. Et non, et c'était incroyable, quoi. Incroyable. Et comment t'es rentré? Donc, tu es le 490e sociétaire. Comment on rentre? C'est sur concours? C'est hyper dur. Comment ça se passe? Après être passé entre les mains de Francis, j'ai eu la chance de rentrer au conservatoire juste après, Conservatoire national. Et donc, j'ai fait un an, 2 ans, et j'ai là aussi passé une audition à la Comédie française où ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des répétitions, parce qu'un des comédiens venait d'avoir un accident, il n'était pas dispo pour répéter, il allait venir un peu moins, mais il fallait que les autres puissent répéter, prendre leur marque et tout. Donc, je faisais la doublure, entre guillemets, du truc. Et puis, je l'ai fait, j'ai été pris avec Françoise Seignier. Le rôle principal, c'était Jean-Pierre Bouvier, Christine Fersen. Il y avait des gens magnifiques là-dedans. Et donc, j'ai débarqué là-dedans. J'ai fait toutes les répétitions avec eux. C'était incroyable, une aventure dingue. Et à la fin, ils m'ont dit, bah, c'est toi qui vas le jouer. Parce que le comédien ne viendra pas, finalement. Ah ouais? Donc, tu vas monter sur scène et c'est toi qui vas le jouer tout le temps. Je dis, mais je suis élève du conservatoire, je suis pas là pour. J'étais là pour juste. Et c'était pas un petit rôle, quoi. C'était le rôle principal avec les trucs. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure-là. Ça s'est hyper bien passé. J'en ai enchaîné un autre. Et puis, vite. Vous engagez, hein. Parce que ça se passe bien, donc. C'est quand même la classe. Bon, tu sais quoi, on est arrivé au moment. Ah. On est avec Keanu Reeves. On va le découvrir. On va pouvoir monter le son. Et t'écouter. Allons-y. Ah. Ah non. Ah non. Mais c'était bien, j'aimais bien sur ton magnéto. Voir ta tête de beau gosse, ça me dérangeait pas. Non, excuse-moi, c'était quel tour ? Non, tu mets rien du tout, on va juste monter un peu le son. On attaque le jeu, là, on voit qu'il n'y a pas. Non, on va juste entendre Jean-Pierre. Monte le son, voilà. Rien de ça, comme il était bien modélisé. Ah, mais il est là! Ah oui! Allez, c'est parti. C'est toi. Bien sûr, tu planes. Bon, je suis Jean-Pierre Niquel, faut savoir. La vue subjective, là, je regarde dans les yeux de Jean-Pierre Niquel. Ah, ça y est, là, tu es dans mon... Ah, c'est toi? C'est moi qui viens dans ton corps. En plus, avec le micro, le parallèle avec le doublage, ah ouais. Il est vite fait. Okay. C'est parti. Et là, je vais chanter, attention. Ce soir... Je suis venu vous dire au revoir à vous tous. C'est sympathique un petit concert avec toi. C'est ça. En vue subjective en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Changement de scène. D'accord. Faut pas déconner avec... Gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? Tu fais très très badass, hein. C'est vrai une danse sensorielle. Tu fais pas ta... Super, on peut parler. Tu fais pas ta voix de... T'en demande de c'est très suave, c'est... c'est ce qu'il voulait là-dessus. Ouais, il voulait un truc un peu plus... C'est Johnny Silverhand, c'est pas un mec super clean. Ça n'a pas l'air. Non. Ça n'a pas l'air. Johnny, attends.
Il est pas là pour garder les moutons tranquilles. On peut encore changer d'avis. Alors, contrairement à... Ah, c'est toi qui choisis. C'est ton jeu, c'est tes dialogues. On se reverra en enfer, mon pote. J'avais choisi direct. Je vois, je te connais. T'es perdu dans tes pensées, c'est ça. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. Ah, c'est Guillaume. On se reverra en enfer, mon pote. Et là, on monte dans l'hélico. Ah. Là, ça va bastonner. Alors, tu vas voir, là, le gun que t'as. C'est mon opération. J'avais aussi choisi ça. C'est moi qui décide qui est en retard. Allez, monte, avant que je change d'avis. Allez. Tu vois, ce genre de phrase que tu dis. Et tu comprends rien ce que tu dis. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas qu'il y a un hélico. Voilà. C'est un micro PLS. Ouais, c'est un micro. Le micro est en PLS, donc je vais le tenir à la main parce que ça va être plus simple. On va arrêter de jouer les amateurs. Voilà. Là, on est tout. Voilà, comme ça, vous m'entendrez en permanence. La voix suave. En plus, j'ai même plus d'efforts à faire, ça va passer direct. Ah, le micro s'est perdu dans ton décolleté, nous dit Amako. Ouais, c'est ça. Direct. J'enlève mon patch. Ça va du coup, moi t'as plus le... Parce que le patch quand on s'en va, c'est que... Non, non, ça va. C'est un patch pour la nicotine. C'est bon, c'est... Voilà, dans la douceur. Le bordel là-bas, c'est nous. Une idée de Johnny. Alors moi je le sais, mais dans ces cas-là, on dit quoi? On dit ils se baladent en hélicoptère. Ouais, ils sont en hélico. On n'a même pas les bruits qu'il y a autour que tu entends de l'hélico et tout ça. On n'a vraiment rien, tu as vraiment un fichier vide, sans VI, sans rien, quoi. Donc t'es obligé de faire un son, on te dit il faut que ça soit peut-être plus fort parce qu'il risque d'y avoir du bruit d'hélico, quoi, c'est tout. Ah ouais, c'est... là-dessus, c'est total impro, faut imaginer les situations. C'est pour ça que tu rentres dans une sorte de construction mentale d'un univers qui n'est pas du tout celui-là, finalement, hein, mais qui était le mien à ce moment-là pour essayer de reproduire ça. La cible est à portée. Ouais, là on va shooter, là. C'est pas mal là, cette scène d'ailleurs. Alors, tu vas voir tout ce qu'on va descendre. Et là, tu vises quelque chose ou pour l'instant, je ne fais rien parce que là, j'ai encore. C'est lui qui le fait tout seul, c'est une sorte de cinématique. Mais il va prendre un petit mal de crâne très rapidement là. D'accord. Là, il va dire oh. Ah oui, d'accord. Doliprane, 500, vous avez ça en stock. D'accord. Hop. Et là, c'est à moi de faire l'affaire. Ah, très bien. Mais ça s'est bien passé hier. Je pense que forcément, vu que je suis en stream, là, ça va moins bien se passer. D'accord. C'est normal, c'est la loi de StreamDF. C'est toujours comme ça. On m'appelle la merguez, c'est pas pour rien. Allez, je vais y arriver. Eh non, ça se passe plutôt pas mal, hein. Mais tu maîtrises quand même, hein. Ouais, mais pas en stream. Allez, mais shot là. À force de jouer en permanence, est-ce que tu regardes des films quand même? T'as le temps pour ça? Des séries, ouais, un peu, ouais. Des séries? En fait, je regarde une série, un épisode ou deux, et après je vais jouer. D'accord. Souvent. Tu dors aussi ou pas du tout? Ouais, mais je joue peu en fait. Je joue beaucoup moins par rapport à avant, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que j'ai moins le temps de jouer de toute façon. Il y a des gens qui disent je voudrais être le micro. Hein. Tu fais des heureux. Hein. Franchement, je vous le conseille pas parce que. Voilà, attends. Ah oui, je voulais vous parler de Star Wars. On avait bossé dessus sur les derniers Jedi et tu l'avais fait précédemment. Ah, oui. T'étais un fan de Star Wars. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis là, faut pas que je me rate parce que c'est un gros truc? Non, plus du tout. Mais par contre, Star Wars, moi je suis resté 1978. Oui. Les trois premiers, quoi. C'est ceux que j'ai découverts quand j'étais ado. C'est ceux que j'ai aimés. Et quand ils sont revenus. J'ai été voir le premier, j'étais tellement déçu, j'ai rien retrouvé de ce qui faisait mon amour pour cette série, pour le début des trois premiers films. Ça a changé, hein. Que j'ai lâché complètement l'affaire. Donc je n'ai plus rien vu de Star Wars depuis les trois premiers. Ah ouais? Rien. Et j'ai pas envie. Mais t'as raison, garde cette image de. J'ai cette image-là avec Han Solo, avec la princesse Leia et tout. Ah oui, évidemment, c'est plus radical. Peggy 18. Et ça me suffisait largement. Et malheureusement, j'ai jamais retrouvé ça depuis, donc je n'ai pas envie de voir autre chose.
Donc oui, je suis super content d'avoir participé à Star Wars. Mais non, je n'ai pas de pression. Encore une fois, en plus, j'ai l'impression, tu es bien placé pour le savoir, les films comme on les voit, même un Star Wars et tout, ouais. Quand on travaille dessus, même un court-métrage pourri, il est de meilleure qualité. Quoi. Ouais, ouais. On a une qualité d'image de travail aujourd'hui qui est tellement pas bonne, exprès pour des questions de piratage ou pour des questions de post-prod pas terminées et tout, que on peut pas en profiter, on peut pas jouir du fait d'avoir une très belle image. Il y a une époque où il y avait encore des très beaux films qu'on avait en version def quasiment, mais c'est de plus en plus rare, je trouve. Ah, en fait, il y a des problèmes de confiance, ils ont peur que ça leak et c'est un peu normal. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu le son du retour là, sur le plateau pour entendre le jeu ? Merci. Allez, là, il faut que je tire. Voilà, je dégaine mon arme. T'as vu un petit peu la puissance de feu qu'il a, Johnny là ? Oui. Il a arraché quelques bras. Hein. Ça, c'est qui, merci. Alors ? Ça, c'est... Bah, je sais pas, c'est Rogue. Mais, oui. Là, je suis quasiment là, moi, après. Hein. D'accord. Alors, j'aurais un dernier truc à faire. J'aurais besoin d'un coup de main. J'ai pas encore fini. Je dois mettre ça sur le sous-réseau. Ah, évidemment, tu comprenais ce que tu disais, le sous-réseau, bien sûr. Je ne sais même pas ce qu'est le sous-réseau. Hein. C'est toujours pour t'accroupir, tu pourrais pas comprendre, Rogue. Tu fais chier. Ah oui, ils sont en train de rentrer chez Arasaka, c'est ça ? Ouais. Ils exactement. Doivent arriver dedans. D'accord, ok. Ouais, parce que ça dure un moment. Hein. Je t'adore, Spider. Ah, faut remonter, je crois, non ? Ah non, c'est par là. Trouve un point d'accès au réseau. Allez, c'est parti. Je dégaine, c'est parti. Avec la musique qui va bien. Elle est bonne, la musique, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, là, à la maison, j'aurais déjà terminé. Ici, je fais de la merde. Parce que tu es déconcentré, tu ouais. veux dire c'est tu c'est penses à 30 choses en même temps. Ouais, c'est un métier de streamer. Bah ouais, je comprends. Là-dessus... Oh, petit headshot, quand même. Il est bon pour un... Oh! Tu as une aide au tir ou c'est vraiment que tu vises à chaque fois vraiment... Non, je vise vraiment à chaque fois, effectivement. Mais tu peux choisir, au cas où, d'en avoir une? Il y a des jeux, oui. Pas celui-là. Mais celui-là, je crois pas. Enfin, c'est pas le genre de la maison. Ah, un tweet. Bonsoir Jean-Pierre et Donald, merci de nous faire partager ces magnifiques rencontres. Oh, mais je vous en prie, qui est-ce? L'ex-1371. T'as vu? Il avait perdu un bras et du coup, il est pris sur l'autre. Ouais, franchement, c'est toujours bienveillant. Les gens sont toujours trop très sympas et ça fait plaisir. Merci à vous. On approche du point d'accès. Connecte-toi. Hop, connecter le terminal. Est-ce que t'as déjà fait du théâtre, Donald? Et c'est une chose qui te tente? J'en ai fait, mais j'ai pas, ça me brûle pas de l'intérieur de monter sur les planches, de passer ces 3 semaines de répète, tout ça. Et ce stress du direct, je l'ai ici. Et je m'amuse. Ah ouais. Mais c'est autre chose, mais... J'ai moins cette envie-là du théâtre. Quoi. Putain, ta cybermère. C'est quelque chose de particulier quand même. Oui. Ah, t'as fait des trucs quand même de fou. Tu sais, Sur scène, c'est une sensation que tu peux pas reproduire nulle part ailleurs. Quand tu sais que ça commence, mais tu sais que ça doit finir et qu'entre-temps, tu dois jamais t'arrêter, c'est un truc assez dingue. Ah ouais. Tu dis, bon, bah, c'est parti. Maintenant, j'ai plus le choix. Il y a 600, 700 personnes là. Ah, c'est ouf. Hein. Et je dois aller jusqu'au bout. Je peux pas dire tout d'un coup, non, ce soir, là, stop. Ça met beaucoup de pression, ça, hein, c'est vrai. Ouais, c'est un stress terrible. Moi, la première que j'ai faite, j'aurais pu chialer devant le rideau. C'est tellement, j'étais pas bien, quoi. Ben non. Je connaissais mon texte, mais... C'est bouleversant, hein. C'est ouais. quelque chose de très, t'as raison. De très violent, hein, émotionnellement. Tu sais qu'il faut... Tu peux pas t'arrêter, quoi. C'est assez... Non. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Et Brad Pitt, on n'en a pas beaucoup parlé de Brad Pitt. C'est quoi le ce qui t'a marqué le plus? C'est des films d'action comme 3, nous on kiffe en spectateur, mais ouais. quel que t'as le plus kiffé? Avec Brad Pitt, c'est pareil, il a un parcours tellement différent. Attention, t'as un monsieur qui n'est pas très charmant ouais. là. Bah c'est terminé, game over. D'accord. il a des rôles tellement différents, des choses tellement différentes dans ses choix, dans ce qu'il fait. Que je découvre chaque fois avec une certaine gourmandise ces aventures. Et en plus, voilà. Ah, dommage. Ah oui, c'était ça, bien parti. Pas vu en le faisant. Ben voilà. Et alors, c'est toi qui es mort là du coup ? Ouais, mais c'est scripté. Hein, là. Ah d'accord. On peut pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement, ok. Smasher.
C'était quoi, Tree of Life Non, parce que Tree of Life, c'est pas, c'est pareil, c'est un truc très... Oups. Ah oui. Ça fait mal. C'est-à-dire que parler de choses comme ça en même temps que de se faire défoncer, c'est pas terrible. Et non, c'est pas Tree of Life. Tree of Life, c'est un film vraiment très contemplatif. Mais il, je crois que le Benjamin Button, j'avais adoré le travail dessus. Le travail de Fincher là-dessus est incroyable. Et techniquement, ce qu'ils ont réussi à faire, de transformer ce mec en petit vieux, ensuite en bébé, en ado, alors qu'il avait déjà 40 balais quand il l'avait fait et tout. Enfin, c'était vraiment, vraiment dingue. C'est lui sur lequel tu as le plus de marques où tu t'arrives, c'est « Ah, cool, c'est Brad Pitt, connais son jeu, clac, clac. » Ouais, ouais, je crois que c'est celui qui est le plus proche de ce que je fais, moi aussi, et avec qui je m'entends le mieux. Ça m'étonne pas, mais ça s'entend, hein. On n'a pas de... Ouais, j'ai pas d'effort spécial à faire. Keanu Reeves, par exemple, que ce soit dans John Wick et tout, il a un côté un peu plus bourrin, quoi. Ouais. Il est un peu plus carré, il est un peu plus... Il y a un truc un peu plus... basique. Ouais, c'est vrai. Alors que Brad Pitt, il est beaucoup dans la finesse, il est beaucoup dans des demi-teintes, il est beaucoup dans un jeu avec des arrière-plans que n'ont pas ni Ben Affleck, ni Keanu Reeves, qui sont beaucoup plus francs. Ouais. On fait une couleur bleue, on fait une couleur verte, mais on fait jamais du pastel, du gris, des choses comme ça. Donc il est plus riche, Brad Pitt, au niveau du jeu. Le film qui t'a lancé sur lui, c'était quoi? C'était 7 ans au Tibet? Non, le tout premier film que j'ai fait, c'était au tout début, quand je commençais à faire du doublage aussi, ça s'appelait en anglais Devil's Own. Ah ouais? Et c'était avec Harrison Ford, où il jouait un terroriste irlandais. Et un truc qu'il adore faire, Brad Pitt, c'est prendre des accents. Dès qu'il peut, il cale un accent. Snatch, parlons-en, Snatch, comment t'as fait Snatch, le truc où il joue la mort, je sais plus comment ça s'appelle ce film, avec Anthony Hopkins, là tu sais, Joe Black. Ouais, il rencontre avec Joe Black. Meet Joe Black, voilà. Pareil, il parle en créole, et donc là il était en Irlande et il jouait un Irlandais, et il avait l'accent irlandais. Donc lui il s'éclate, mais en français comment tu veux faire ça? Tu vas pas prendre l'accent berrichon pour pouvoir montrer que t'es d'un autre côté de la France. Tu le fais pas, t'essayes dans le texte de dire je suis irlandais, quoi, machin, etc. Mais surtout, c'était la première fois que je rencontrais Richard, et que j'avais travaillé avec lui, qui faisait Harrison Ford. Et donc je m'étais retrouvé pendant toute une semaine comme ça avec lui, c'était super, une très belle aventure. Et c'était le tout premier truc que j'ai fait. Et Snatch, alors bizarrement, les gens m'en parlent beaucoup de Snatch. C'est un truc qui a marqué visiblement une génération. Et s'ils savaient comment ça s'était passé, et ils vont le savoir. Donc Snatch, c'était Michel Derain qui dirigeait. Et j'arrive un matin dans ce studio où il y avait Boris qui faisait... Statham. Et donc je vois. Attends, un problème. Quoi? C'est bon. Ok. Nous avons. C'est un micro facétieux que nous Tout avons. Tout va bien? Aujourd'hui. On m'entend? C'est bon. D'accord. Et donc, je me retrouve dans ce studio à voir le l'ovni qu'est Brad Pitt là-dedans, où je ne comprends pas un mot sur quatre de ce qu'il fait, mais où l'adaptateur ne l'a pas compris un mot sur quatre non plus. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait l'adaptateur? Il n'a rien brodé du tout, il m'a mis une ligne noire. Mais t'es sérieux? Une ligne noire avec de temps en temps chien, caravane, mama. Mais non. Et c'est tout. Voilà. Ah ouais. Et donc il dit, allez, à toi. Amuse-toi. Alors donc t'écoutes la musique de ce qu'il fait et tu dis ok, et tu t'essayes de rentrer le petit mot qu'il a réussi à repérer dans le truc. Et tu fais tout le film comme ça et tu fais mais c'est énorme, mais ça ne va jamais passer, c'est ridicule. Alors du coup, t'es payé à la ligne. J'ai été payé trois mots.
J'ai... C'est énorme. J'ai été payé 3 mots pour le film, ça ne m'a pas rapporté beaucoup. Ad lib, ah ouais. Chien. Ouais, ou alors incompréhensible. C'est énorme, j'avais vu un auteur dire, hey, les gars, là, laissez, amusez-vous, quoi. Je ne peux rien faire. J'ai reconnu un mot, là, maison, voiture, mais c'est tout, quoi. Oh, c'est ouf. Et quand j'ai vu ça avec Michel, on a bien ri, mais bon, on l'a fait. Et on s'est bien éclaté, quoi. Putain, okay, l'anecdote, elle est géniale. J'aurais incroyable. Jamais pensé ça. Et le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'en parlent encore comme étant un truc où ils ont kiffé dessus. Je suis ravi, maintenant je vais pouvoir improviser tranquille, être payé 3 francs et pouvoir rester énorme. Dans la mémoire des gens, c'est top. C'est incroyable. Non, mais ce que tu fais sur Brad Pitt, c'est... tu fais partie du cercle ultra restreint des... On ne peut pas changer, quand on change la voix, ça marche. Oh, ça ne va pas gêner certaines personnes de me changer sur certains trucs. Mais ça ne marche pas. Moi, j'ai bossé sur le film des Subprimes où il était dessus, un tout petit rôle. Quand je l'écoutais, tu sais, je faisais peux pas. Je ne peux pas l'écouter avec une autre voix que la tienne. Ça t'a véritablement remarqué. Justement, pour quoi de mieux pour en parler que de regarder ensemble un petit extrait de tout ce que tu as fait sur Brad Pitt. Et on aurait pu en prendre plein, mais on en a fait une petite compilation. Allez, on génial. Mais la vie étant ce qu'elle est, une série d'existences et d'incidents qui s'entrecroisent, que personne ne peut maîtriser. Ces costumes sont superbes, merci. Tout chichi. Et bien un grand lit comme ça, avec tout plein de coussins qu'on enlève les os dessus et avec du pied de poule, pareil. Faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche. Donnie ! Et dans le feu de l'action, si tu peux pas avoir les deux, qu'est-ce que tu choisiras, hein ? Et n'oublie pas, Tess, tu peux pas la partager en 11. Tu préférerais qu'on te tire une balle dans la tête ou en prendre 5 dans la poitrine et te vider de ton sang? La putain des champs de bataille? Cet homme n'a aucun honneur. Je refuse qu'on se souvienne de moi comme le mercenaire d'un tyran. Toute personne qui tue en se battant va en prison. C'est un homicide involontaire pour ta gouverne. Je crois que ça me renferme sur moi-même. Ça me ferme aux relations amoureuses. Ça m'empêche de m'ouvrir aux autres. D'avoir une réelle affection pour quelqu'un. Eh, franchement, il y a eu un petit paquet quand même. Hein. Là, tu as eu des trucs qui te sont revenus, Oui, le Ad Astra, là, il est magnifique, le dernier qu'on a vu. Tu m'en avais parlé, ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ce film parce qu'il est très particulier quand même. Hein. Il dure 2 heures et c'est 2 heures seul avec lui dans l'univers, dans l'espace. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est quelque chose qui me passionne et me fascine, l'espace. Mm-hmm. Et pareil, là, j'en revois, il y en a qui sont vraiment, encore une fois, des choix de films incroyables, quoi, dans ce qu'il a fait, et qui sont tous de qualité dans son interprétation. T'as du kiffé, hein. Ah ouais, vraiment, vraiment. J'ai vraiment de la chance de l'accompagner là-dessus. Tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on ait... Ah. Je sais pas qui c'est, il est pas content. Si tu devais piquer un rôle à Donald, ça serait lequel, et l'inverse pour Donald? Un rôle ou un acteur? Ah, vas-y, n'importe, c'est pas du dessin animé. Parce que... Ah oui, bah, Dragon. Dragon. Dragon ? Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est vrai. Et je le kiffe bien. Était magnifique dedans en plus, parce que alors, là, pour le coup, je l'ai vu en VF pour mes enfants et tout. Et quand je l'avais vu, je m'étais dit, waouh, franchement, c'est bien, quel beau boulot, parce que c'est pas facile les dessins animés. C'est dur, ouais. Pour incarner les trucs, pour être à la hauteur de l'image, du dessin, de l'énergie que ça transporte. Donc celui-là, franchement, ouais. T'en as fait toi aussi, t'as fait du Toy Story. C'est une petite fierté par rapport pour tes filles, par exemple, de dire, tiens, j'ai fait du Toy Story. Non, Toy Story, j'ai 3 mots. Hein, oui, mais bon, t'es comme dedans. Ouais, mais non. Non. J'aime bien quand c'est conséquent, quoi, qu'on puisse avoir le temps de s'éclater. Ouais, je comprends. Ouais. Mais t'es dans la Reine des Neiges aussi, non? Ah ouais. Christophe qui a perdu le nord, incroyable. Donc tu vois, tu m'accompagnes malgré tout. Ah oui, c'est ça. tu as mangé quelques petites musiques. Tu m'étonnes. C'est pas... ça a été pendant 1 an et demi très compliqué quand même. Ah oui, t'as dû en bouffer. Oh là 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 là. T'as dû en bouffer. Bon, là, on arrive sur un moment où on va te recroiser juste après. Hop, ah oui, une petite séquence de gunfight là qui est pas mal du tout.
Et on n'a pas parlé de tes tournages. T'as bossé en, là pour un rôle principal sur pour TF1, c'était RIS, police scientifique, c'était ça? Oui, absolument. Et comment ça se passe des tournages quand c'est des séries? Est-ce qu'il y a un rythme spécial que tu vois différemment sur le? Il faut être efficace tout de suite. C'est comment ça se passe? Ah bah c'était oui, c'est énorme parce qu'une série c'était 10 épisodes à l'époque ou 10 ou 11 épisodes. Ouais. Et ça se fait en 110 jours, quoi. Wow. Donc ça veut dire 10 jours par épisode de 52 minutes. À savoir qu'on a du mal à les calibrer souvent en écriture, donc on tourne plutôt une heure que 52 minutes et ensuite ils taillent au montage. Donc ça veut dire une heure à rentrer en deux semaines de travail, ça veut dire beaucoup de minutes utiles par jour. Ouais. Et un taf de dingue à faire. Surtout quand on a comme j'avais eu cette chance d'avoir le rôle principal avec... Ouais. Des textes énormes, mais des textes scientifiques. Ah, ça doit être sympa. Donc, tu peux me donner l'hydrochloroquine pour lui injecter tout de suite par-dessus en épiderme intraveineuse. Et tu apprends des kilomètres et des kilomètres de trucs vaseux comme ça que tu ne sais même pas ce que c'est, pourquoi c'est, etc. Mais voilà, c'est une expérience de dingue. Et j'ai adoré ça. Ça a duré longtemps ? Ben, je l'ai fait 2 saisons. Ah, quand même, hein ? Donc, sur 2 ans. Ensuite ils m'ont remplacé, ils ont pris quelqu'un d'autre et régulièrement ils ont remplacé les rôles principaux après. Ah. Mais c'était vraiment super. Et t'es aussi sur Candice Renoir, t'étais en guest et t'es revenu en récurrent à la fin? Non, j'ai fait deux. Ah, c'était deux guests? Ouais, c'était le même guest qui revenait sur un deuxième épisode. D'accord. Ça c'était une petite aventure, mais c'était un clin d'œil parce que ma petite chérie est dedans, donc j'ai eu la chance d'aller là-bas pour l'accompagner. Ah ouais. Cette femme est la plus belle personne que j'ai jamais vue de toute ma vie. J'en avais le souffle coupé. Cette représentation, pour moi, c'est l'occasion de devenir enfin professionnel. Vous pouvez le comprendre, ça? Je sais. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a encore, cette pisseuse? Et depuis cette histoire, c'est Mardi Gras tous les soirs, quoi. Le carnaval du slip. J'ai le droit à toutes les tenues. Je suis crevé. Non, alors moi, il y a un truc que je pige pas. Si t'étais sous hypnose, comment tu sais qu'elle t'avait fait parler? Mais tu sais bien, les femmes, ça culpabilise tout le temps. Alors elle a pas pu s'empêcher de me dire qu'elle m'avait fait un sale coup, tu vois. Je vois. Tu viens? J'ai téléchargé la dernière version de Call of Goofy sur mon iPad. Ah bah voilà, on a fini la petite séquence. Et on a, bah depuis peu, tu t'es mis à diriger un peu aussi. T'as une envie? Alors j'ai eu une première expérience. Je ne dirige pas beaucoup. Mais j'avais demandé parce que je voulais tester, comme ouais. Quoi, voir ce que c'était, pouvoir avoir affaire à la fabrication de ce que je vis depuis 30 ans, ouais. De l'intérieur, du début jusqu'à la fin, et voir comment je pouvais amener le produit au maximum de sa qualité. Donc j'ai demandé si c'était possible qu'on me fasse confiance sur un téléfilm, et ils ont gentiment... accepté, j'ai pu faire cette expérience-là, donc sans y connaître rien, parce que je ne me suis jamais intéressé à ça, j'ai tout fait, du casting au plan de travail, aux appels aux comédiens, aux choix, aux machins, et pour le truc. Mais je me suis éclaté. C'est vrai ? Ouais. Pendant une semaine, ça a été, enfin, une semaine d'enregistrement, oui, enregistrement, ouais, avec beaucoup de travail en amont, et ça a été super. Et donc, j'ai pu travailler avec des gens merveilleux, et rendre le truc en heure, de qualité. Et je crois qu'il passe très bien en plus le film, donc je suis content. Voilà. Encore une nouvelle corde à ton arc. Ouais. Mais j'aime bien découvrir des choses. On n'est pas là pour s'embêter, donc. Non, c'est sûr. Autant découvrir plein de choses comme ça différentes. Et dans le domaine aussi des trucs où tu touches un peu à tout, tu as réalisé, tu as fait un court-métrage, je crois, oui. Il y a 70 sélections. J'ai fait 2 courts-métrages. Ils ont tous les deux une belle carrière internationale. Je les ai tournés, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est un ami à moi qui s'appelle Guillaume Clicquot, qui est super doué, un super scénariste. Ouais. Parce que je n'ai pas ce talent-là, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça n'est pas moi. Mais par contre, j'ai une idée de l'image, à force d'en faire, à force de travailler dessus, de connaître l'envers d'un tournage, comment ça fonctionne et tout, j'avais vraiment envie, là aussi, de m'attaquer à ça, de le découvrir de l'intérieur, de pouvoir le reconstruire à ma façon et essayer de voir comment c'était. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure un peu folle, où on a tourné un court-métrage, donc le premier qui faisait 8 minutes en une journée. Ah ouais. Un 1er mai, sous la pluie, chez moi, on a fait ça. Et avec que des copains qui sont venus
à nous assister à tous les postes et tout ça. Et voilà, et ça a été super. Il a dû en effet 70 sélections internationales. C'est que c'est bien. Ouais, c'est que c'est bien et c'est que ça a été très apprécié. Donc voilà, c'était le but du jeu. Et du coup, j'en ai fait un autre où je jouais en même temps dedans. Ouais. Parce que là, je voulais tester ça aussi, tester la direction tout en étant acteur, parce que j'ai quand même une préférence pour ça. Et là, on l'a tourné en 3 jours avec une belle production faite par Yann, que tu dois connaître peut-être, qui nous a accompagnés là-dessus. Et ça a été un très, très beau, une très belle aventure aussi. Et pareil, il a été sélectionné un petit peu partout. Et on a eu une très belle histoire dessus. Tu veux y retourner ouais. Si j'ai un beau scénario, j'y retournerai avec plaisir. Ouais. D'accord. Absolument. C'est bon à savoir. Ouais. On va revoir juste pour la dernière séquence de l'émission, oui déjà, qui est juste après ça. Là, on voit qu'on a récupéré notre ami V, qui n'est pas en très bonne... qui est un peu fatigué, qui a envie de dormir. Et juste après, on va retrouver l'ami Keanu Reeves, l'ami Johnny Silverhand, son ami moyen. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit ton meilleur copain au bout d'un moment. Je ne suis pas sûr non plus. Hein. Ceci dit, si tu vas jusqu'au bout, ça vaut le coup. Bon, on verra ça. Moi, je vais avancer pour aller voir ta petite séquence. Et puis, voilà, on a... Ça passe trop vite, hein, cette émission, à chaque fois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il venait de dire, lui? Ah oui, je me rappelle de lui. En tout cas, tu vois, le prologue, il est... Il est dense, oui. Alors ça, non, on est après le prologue. C'est-à-dire qu'on a coupé toute une partie qui était hyper longue pour arriver à ce moment-là. Ah, donc c'est, on est juste à la fin de ça. Une question. est-ce que dans un supermarché, on s'est déjà retourné pour crier à Brad Pitt? Jamais. Ce serait drôle. Bah, à moins qu'il y était au même endroit avec moi, mais sinon, non. C'est la question qu'on nous pose tout le temps, mais je l'ai vu passer sur le chat. Merci Mathieu. Tu l'as déjà rencontré Alors, non. Et j'ai un peu les boules parce que la dernière fois où il était à Paris, c'était sur Fury que je doublais. Donc ouais. J'étais en train de le doubler, de travailler dessus. Et j'ai appris qu'il était à Paris pour l'avant-première et personne ne m'a invité. J'étais dans l'après-midi dans le studio même c'est incroyable. À le doubler. Et ils m'ont totalement zappé d'une force. Il faut alors que ça. J'avais des copains à moi qui disaient sur Insta « Ouais, je suis avec Brad Pitt et tout, on est là dans le ça truc. » Ça fait plaisir. Et ils faisaient des selfies et tu fais genre « Ok, d'accord. Je suis de la merde, ok. » Il faut le savoir. C'est ouf, hein. Ça m'est arrivé plein de fois, ça aussi. Ça fait jamais plaisir, ce genre de moment. Non, c'est triste, parce que j'aurais pu aller le voir, lui taper un coude, et puis voilà. Johnny Silverhand. Tu vas pas faire n'importe quoi. Je sais pas, c'est bizarre. J'avance sur les dialogues, pourquoi ça spoil, donc du coup, c'est comme ça. C'est quoi, alors ? Il y aura pas de souci là-dessus. Est-ce que, du coup, avant qu'on voit la petite séquence finale, toi, t'es sur les réseaux sociaux, on te retrouve où ? Je suis sur Twitter, sur Insta et sur Facebook. D'accord. La totale, c'est quoi? C'est JP Michael partout? Non, c'est JP. Enfin, là, sur Twitter, c'est JP Michael, mais sinon, c'est JPM officiel. Ah. Parce qu'ils étaient pris, les autres, donc je suis obligé de. Ouais. Ouais. T'as dû passer sur l'officiel. J'ai dû passer sur l'officiel. Ah ouais. Il fallait le récupérer, t'envoies un mail à Insta. Bon, alors, les gars. Mais c'est un étranger en plus. En plus? Ouais, je sais pas pourquoi. Sur Insta, il m'a piqué mon truc et j'ai impossible de l'avoir. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais avant de se quitter, tu étais Michael Fassbender dans Assassin's Creed. Oui. Qui est quand même un monument du jeu vidéo. Tu avais quelqu'un pour t'expliquer un petit peu tout l'univers ou vous avez plongé direct? Même chose. Plongé direct. Est-ce que c'était avant le film ou après le film? Lequel? Le Assassin's Creed. Ah, c'était après les jeux? Ouais. Ah, ils en ont fait plein avant, ouais. Non, mais celui que j'avais doublé, tu te souviens? Je ne sais plus si je... Parce que je crois que j'en avais fait un, non? Peut-être... T'as bossé dans un Assassin's Creed? Je ne sais plus. Tout d'un coup, j'ai un doute. Je crois pas, je les ai tous faits. T'as peut-être bossé sur des petits personnages? Non, c'est parce que je crois que j'y ai joué. C'est un des rares jeux auxquels j'ai joué, parce que cet univers me fascinait. Et donc, j'y ai joué, en effet, c'est ça. Et c'était sur PS3 à l'époque. Ah oui, mais j'en ai sûr, ça a commencé sur... Oui, c'est PS3, c'était le premier, c'était ça. Ouais. Et donc voilà, et quand j'avais fait du coup le film,
avec là, je connaissais l'univers pour le coup, puisque j'avais déjà fait les jeux. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, si on tombe là-dessus et qu'on ne connaît rien, ouais, c'est quand même spécial. Quoi. Oui, forcément. Forcément, c'est sûr. Mais encore que ce truc-là, le film, il était très loin. Enfin, il y avait une référence au jeu dedans. C'est tout. Ah ouais, le reste, c'était vraiment... c'était vraiment... Ils étaient partis pas loin, mais ils l'ont un peu scénarisé, romancé. C'était, ça n'avait pas grand-chose à voir. Est-ce qu'il est là? Ah bah voilà, en plus, on arrive pile sur le bon moment. Oh là, on dirait que cette synchronisation, elle est incroyable. Ah, il me dit, je suis comme le micro en PLS. Bon, alors, ce qu'on va faire... pour le temps qu'on fasse sur cette dernière séquence. Vous allez me mettre sur le chat Cyberpunk d'une traite. Et puis, le gagnant repartira avec son gros collector à la maison sur PS4. C'est bien ça? Je dis pas de bêtises. Hein. C'est PS4. Il n'est pas arrivé, donc ce sera la surprise. Ils ont l'effet inverse. Ah, mais je crois que c'est ça, c'était un PS4. J'en suis quasiment persuadé. Voilà, on le voit là, ça spam dans le chat. Ça spam dans le chat, je l'ai joué ça. Très, oui. Très gros succès. Ouais, ça spam dans le chat, un film de Max Pécasse. Là, c'est... Tiens, j'ai aussi. Attends, on va la faire avancer. Extrait de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Comme ça, on va pouvoir avancer. Alors, je regarde ce qu'on m'a dit, je crois que ça a été fait. Eh oui! C'est Chiara? Chiara Siegel? Tu as gagné le collector. T'es pas venu pour rien. Toi, c'est comme la classe. Bravo, Clara. Ah, pensez Léo. Attends, dis-moi. Ah non, c'est Pastel. Ah, pourquoi c'était le... Bah, en tout cas, voilà, c'est Pastel qui remporte le collector et le bot à merder. Et tu sais quoi, on vérifiera ça, on prendra les noms des deux gagnants et puis on regardera ça. Mais de toute façon, les deux, vous ne repartirez pas les mains vides parce que des posters, on en a deux. Donc de toute façon, vous aurez tous les deux la dédicace. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, je vois Guigui du forum. Non, pas pauvre Chiara. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ouais, le chat, le Nightbot, il était un petit peu capricieux. C'était l'émission du bug, mais c'est normal, c'est ça bug, parce que c'est la technologie. C'est l'émission Covid. Bah, c'est ça, mais attends, mais c'est le futur. Hein, attends. Tu sais qu'à un moment, tout à l'heure, on ne regardait pas, mais c'était marqué le contrat, le nom de la mission, c'était marqué après le confinement, le confinement. Comme quoi, tout est lié, hein. C'est 2020. Hein. Et ouais, non, c'est ça, perso, j'ai dû voir au moins 3-4 gagnants, c'est Nightbot, il était un petit peu énervé. Bon, en tout cas, Jean-Pierre, c'était un véritable plaisir de t'avoir avec nous sur cette émission. Eh bien, merci, c'était un plaisir d'être là. C'est de prendre un Polaroid. Tu sais quoi, je vais le faire en mode selfie. Ouais. Je le fais jamais, mais ça va faire de... Comme ça, tu finis avec tous les autres. Et donc, du coup, on va essayer de faire ça ensemble. Tu vas voir que là, ça va bugger jusqu'au bout. Ouais. Et que là, il n'y aura pas de Polaroid qui va sortir. Parce que normalement, si on va jusqu'au bout, ça se passe comme ça. Vas-y. Et là... Ah non, ça sort. Comme quoi, tout est rétabli. Énorme. Tout est rétabli, tout va bien. Bon, oui, c'était les montagnes russes. T'inquiète pas, on va s'occuper de ça. En tout cas, c'était un grand, grand plaisir de pouvoir être avec toi sur cette émission. Je suis dit, ça faisait longtemps. Je pensais même refaire un Watch Dogs avec toi pour t'inviter, pour parler un peu de toi. Donc, donc là, franchement, Cyberpunk, c'était la bonne occasion. Mais on en refera, évidemment. C'est l'occasion de remercier tout le monde. Merci à Western Digital pour leur soutien. CD Projekt Red et Bandai Namco pour le cadeau collector. Merci, vraiment, vous êtes au top. Minidos Prod, Webedia pour le studio, pour les montages, Reel Scorsese. Et ils se reconnaîtront Gary, Anto, Anne, Tristan, Océane, Kevin, Pierre-Adrien, Joe Coco, Rob et Mathieu à la régie. Et oui, il y a quand même du monde sur les streams VF. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir. On va se retrouver en 2021 parce que là, on va laisser passer les fêtes et puis pour se caler sur un rythme à deux fois par mois, par semaine, j'allais dire, non, parce qu'on va pas non plus être fou. On se retrouvera du coup en 2021 pour repartir sur de nouvelles aventures avec de nouveaux stream VF. Voilà, et comment ça arrive? Elle est là. Elle va finir au mur avec les autres. En tout cas, c'était un grand plaisir, Jean-Pierre. On n'a pas eu le temps de passer ta vidéo, la dernière qui passait, mais on ne pouvait pas quitter cette émission sans rendre un hommage à Patrick Osmond qui nous a quittés. On a préparé un petit hommage. Malheureusement, souvent, on finit les émissions comme ça, mais on ne peut pas ne pas en parler parce qu'ils font partie du métier. On est là pour parler du métier, du doublage. Donc, du coup, je vous embrasse. Passez de très bonnes fêtes à tous. Et on se quitte là. Merci à toi, Jean-Pierre, c'est le principal. Merci.
C'était très cool. Merci pour ton talent et pour ta gentillesse. Merci d'être venu. Et cette émission est dédiée à Patrick Osmond. À bientôt tous. Si quelqu'un veut te passer devant, offre-lui un cadeau qui le fera ralentir. Avec les dernières paroles de ton père, on aurait de quoi faire un livre. Voilà qu'on vise nos propres navires. Je préfère voir ce navire au fond de l'océan qu'entre les mains de ce pirate. Oh non, 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 enfin, nous avons assez de belles choses ici pour que mademoiselle puisse trouver son bonheur. Quand vous marchez avec Sherlock Holmes, vous voyez le champ de bataille. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je suis sûr que c'est une simple précaution. Une guerre a été évitée. Je vois les choses d'un autre œil. Autrement dit. Et alors, il vend des articles pour piscine, c'est ça? Bon, il a choisi le bon coin, faut dire. Alors nous devons en finir rapidement. Du temps, c'est bien la seule chose que ma mère ne peut pas se permettre de perdre. Je demandais ce rapport, vous devriez peut-être y jeter un coup d'œil. Primo Max, Gotham City a un surplus de puissance, je pense que vous le savez. Vous admirez votre bel ouvrage. Je visite le théâtre des émeutes. Vous n'espériez pas une victoire entre nous. La roue tourne. Notre force en soi est un défi, et tout défi a tendance à engendrer un conflit. Et les conflits provoquent des catastrophes. En d'autres termes, un regard extérieur sur nos activités peut avoir un certain intérêt.